sake to boa na nyam to dan jikwe mai ba ya hudai amegem bana gina banyo noma na ma wasa aman no ko ya ta ma fitrin ali amegem bana nyadi sande mama amegem bana nyadi talata mama amegem bana nyadi ee wo bana ma ngame na ma wo bana ma na nyam mo fa gina ma da ko fe na nyam mo fa ndi ta me be ala e na kele a e wala ma bankine e na kele e wala ma borune yaga yaga ah wule fu wule mu gine dogoma amege mbana gina fanye doma na ma wasa amannu ko ya dama hey ya desire desire ça Tu mens toi-même. Qui t'a pris ça? Mais toi, tu es paresseux. Ça fait combien de fois que je t'ai dit de ne pas faire le travail pareil? Maître, attends, je vais essayer. Attends, pardon, fais comme c'était. Hein? Tu veux gâter le compteur de l'eau? Mais tu n'as même pas envoyé de l'eau. Regarde, il n'y a pas de l'eau. Va chercher de l'eau. Il n'a même pas honte. Lui, c'est ton apprenti. Eh, hey, Alassane, pardon, tu fais comme c'était, hein? D'accord. Ton mari a dépensé, de les années de laisser le problème de Bétina. Maintenant, il faut voir, que faire maintenant? C'est ça que je l'ai dit l'autre fois. Que faire maintenant? Waka, vous avez fini? Jusqu'à présent. Toi, tu ne peux pas serrer ça ici. Tu devrais te coucher. Maître, bonjour. Voilà. Ça va? Ça va. C'est mon mari qui m'a envoyé. Ah, pourquoi? Le travail que tu as fait, c'est pas bon. C'est pas un bon travail. Non, la voiture est en panne aujourd'hui. C'est pas bon. C'est moi qui n'ai pas fait un bon travail pour vous. N'a pas fait du bon travail. Écoutez, dites que vous avez payé une mauvaise pièce. Non, on n'a pas Moi, je ne fais pas un mauvais travail. Ça, je ne fais pas. C'est ton travail qui n'est pas bon. Oui, il est derrière. Tous les passagers sont descendus. Ça fait combien de fois? Moi, j'ai dit à votre mari. Dépasser jusqu'à fatiguer. Mais ça, c'est pas mon affaire. C'est ton affaire. C'est toi qui as fait. C'est ton affaire. C'est toi qui as fait. C'est votre mari qui a payé une mauvaise pièce. Moi, faute. Tu es faute. Madame, s'il vous plaît. Tu es faute. C'est vous dire. Elle a raison. Qu'est-ce que tu vas me faire? Elle a raison. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? C'est pas mon affaire. Moi, j'ai affaire avec ton argent. Il a tout dépensé ton argent. Jusqu'à présent, c'est mon argent. Il a mangé. Vous savez ce qu'il fait? On ne sait pas. Ton mari me doit. Lui-même, il connaît. Ça fait combien de fois que je repasse sa voiture et il ne paye pas? Eh, moi, mon frère. S'il ne vous a pas dit ça, moi, c'est combien il me doit? Attendez. Le monsieur qui venait ici avec son carnage, il me doit ou il ne me doit pas? Tais-toi, regarde-moi le faux type là. Moi, faut dire, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes mariée. Vous êtes marié. Tu as mangé l'argent de mon frère. Qu'est-ce que tu veux? Où est ton mari? Attends. Toi-même, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je suis au moment où il paye la voiture, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Attends. Tu ne peux pas quitter chez toi, venir chez moi. Tu ne peux pas. Je ne vais pas quitter ici. Même pas. Quand tu le vois comme ça, on dirait un vrai mécanicien. Il ne connaît rien. Il n'a même pas honte. Laissez tout ça. Où est votre maître? Il est là. Où est-il? Celui qui est couché comme ça. Il est là où? Il est là. Qui ça? Celui qui est Wakasa comme ça. Attends. C'est l'argent de mon mari. Mon argent, c'est de quel argent? L'argent que je t'avais donné, que tu appelles pièce.
pour mon véhicule. Mais laissez-moi comme ça. Si je te laisse, que tu prends mon véhicule. Il n'a rien à voir dans ce véhicule. Mais il n'a rien à voir dans ce véhicule. Vous allez me bloquer. C'est le temps de mon mari. C'est le temps de mon mari. C'est toi qui n'as pas honte. C'est toi qui n'as pas honte. Et puis, madame, attends, qu'est-ce que tu as fait? La fois que je suis sur mon femme. Toi, tu ne me connais pas. Espèce de menteur. Madame, j'ai dit s'il vous plaît, avec le respect. J'ai dit avec le respect. D'accord. Comment dire pièce à Moussa. J'ai dit ça devant toi. Non, 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 c'est Moussa qui m'a dit. Donc, mon Lazare, jusqu'à présent, je n'ai pas gagné ça. Ah, papa, voir Moussa. Non, 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 non. Qui a commencé à Moussa? Qui? C'est vous. Alors, tu as un témoin pour ça? Oui, il y a un témoin. Tu as un témoin pour ça que moi, j'ai commissionné Moussa? Ouais, comme Moussa est là. Ah, papa, voir Moussa maintenant. Non, 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 Alain. Aujourd'hui, comme je viens ici, ah, je ne bouge pas, il sent mon argent. Oui. C'est ça que je vais. Ah, non, 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 calme-toi. Non, 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 Alain. Il ne faut pas m'a dire ça, Alain. Regarde-moi ça. Il combien de mois, Moussa. Calmez-vous d'abord. C'est entre Moussa et toi, c'est pas entre toi et moi. Là, je fais doucement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que Moussa m'a dit. C'est que Moussa m'a dit là-bas. Il s'est répété, c'est pas bien.
C'est pas mon problème. Hey, va, mon frère, va chercher Moussa. S'il vous plaît. Attendez qu'il m'explique. Il faut pas relever ma, il faut pas remettre ma tension. Hein. Ah, comment? Regarde-moi ça. Ah, comment là? S'il te plaît. Non, il est venu. Qu'est-ce que tu fais? Attention. C'est que tu fais là. Il faut pas que tu m'adonnes pour l'argent. Moussa. Il vient crier sur toi. Il dit que Moussa est parti prendre des pièces. Ouais, il dit que quand Allah lui dit, donne-moi les pièces. Est-ce que c'est Elage qui est parti te dire de donner les pièces à Moussa? Hein? Tu as vu Elage là-bas? Ah, en tout cas, moi, c'est Elage qui doit payer. J'ai signé un papier. Il faut l'attraper, si c'est lui. Bon, va te l'attraper. C'est comme ça que vous accusez les gens. Et Elage, calme-toi, s'il te plaît. Il n'a qu'à t'attraper, s'il est homme. Comment? C'est comme ça qu'on fait. Elage. Hein? Non, madame, non. Tu viens jusqu'à celui, c'est mon problème. C'est mon problème. Tu peux pas, c'est mon problème. Non, je suis pas là. Toi, tu peux venir jusqu'ici, crier sur moi. Elle a raison. Elle a raison. Tu peux pas me minimiser chez moi. Il a bien fait. Tu peux pas venir se minimiser chez moi. Donne des pièces à ce pénal-là. Tu as fait vraiment, c'est que tu as fait. Vraiment, ça, c'est pas bon. Attends, Kadiatou. Oui. Ça, c'est pas bon, là. Tu peux pas venir me minimiser chez moi. Bon, on va au garage. C'est pas lui. C'est Moussa. Alors, en tout cas, allez voir Moussa. Je vais au garage. Je te mets même pas dans ça. Il n'a qu'à pas. Quand tu parles avec moi, il faut savoir parler. Toi, tu ne connais pas la loi. Moi, je connais la en loi. En tout cas, moi, c'est pas ça. Allez, je connais la loi. J'ai été chez là, toi. Tu connais pas non, la je loi. Pas, j'ai pris pièce avec toi. Ah, là, j'ai. Bon, on va. Bon, calme-toi. Non, ça va, on va. Il faut savoir parler aux gens. Allô. J'arrive. Ok, faut pas durer. Attends. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a mon agent. Vraiment, il a trop duré. Tu dis qu'il doit venir, non? Oui. Salam alaikum. Walaikum salam. Elage. Oui, bonjour. Ça va? Oui. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Oui. Asseyez-vous. Même mon chauffeur n'est pas venu à pas non, il n'est pas venu. C'est sa femme qui vient de venir tout de suite. Que son mari doit venir. Ah ouais, je l'attends. Je ne vais pas dire à ce monsieur-là que moi, je l'ai dit d'aller prendre des pièces avec lui. Et il n'a pas payé la pièce. Mais payé. Moi, il me doit. Il n'a pas payé la pièce. Là. Je l'attends ici. Oh. Madame, vous attendez? Moi, je ne suis pas dans ce cabaret-là. Il vient tout de suite. Oui, ça veut dire quoi? Mais ma bonne femme. Mais ça veut dire de m'attendre. Tu sais qu'on a, on a d'autres affaires. Moi, je pensais que. Vous savez, il faut nous dire bonsoir quand même. Ça va, frère. Qu'est-ce que tu es parti dire à ce monsieur-là? Qui? Tu as pris toi. La pièce avec lui à mon nom, non? Qui? Toi. Mais c'est qu'est-ce pas... que tu m'as dit là-bas? Attends. Il est parti déconner chez moi à domicile. Maître. Oui. Lorsque. Avant-hier, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, non? Oui, tu étais là. Tu as fait la pagaille ici. Donc, maintenant, écoute-moi. Seulement d'abord, pièce que tu m'avais remis d'ailleurs. C'est bon? La pièce quand même est gâtée. Ah bon, la c'est pas bon. C'est vous qui avez gâté. Donc on ne pas à mettre. Ah, mais on ça met bon. Ça à côté. Et non, la pièce, une fois qu'on paye la pièce. C'est fini. Une fois qu'on paye la pièce, si on monte sur un véhicule, c'est fini. C'est bon, fini. Moi j'ai l'argent, j'ai ton argent ici. N'est-ce pas? Bon, oui. Et moi? Ah. Et le reste de mon argent. Le prix du véhicule, et le reste. Tu sais que le véhicule est en train de me tirer. Pas pour me fatiguer, il est en train de me tirer. Tu connais ça et tu as... Et tu réclames l'argent. Oui, parce que tu connais ça et tu as dit que tu peux acheter. Non. Il a, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, Moussa. Moussa. Je t'écoute. Bon, et mon argent? Quel argent? Mais 125 000 francs. Je crois que vous pensez que c'est moi qui fabrique l'argent. Non, écoutez, il ne faut pas me parler comme ça. Tu penses que je t'ai dit de ne pas me parler comme ça. Tu me dois, tu vas me donner mon argent. Attends. Mais ça, c'est quel bagage ça? Attends. Attends. Prix de pièces bas, frais de réparation bas. Tout ça, c'est petit dans le prix du véhicule. Ah non, il a. Il va acheter le véhicule. Oui. Où est le reste de mon argent? Voilà. Ah ouais, c'est ce que je veux. C'est ce que je cherche. Merci. Si tu entends aujourd'hui. Prix de carburant, prix de l'huile, frais de mécanicien. Frais de mécanicien. C'est parce qu'il y a le véhicule. Ouais. C'est parce que il a le véhicule. Je me suis engagé dans un vieil véhicule comme ça. Tu sais que le véhicule n'est pas bon et tu prends ça, tu me donnes. Où je suis aujourd'hui? Je t'ai forcé. Je n'ai pas mon argent. Hein? Ok. Bon, maintenant, Moussa. C'est le commissariat qui va nous débattre. Non, c'est pas comme Moussa. Ça. Non, où tu vas voir l'argent? Là où tu es comme ça, tu ne peux pas bouger ici, ça, mon argent. Tu ne peux pas me donner mon argent.
Ton mari ne va pas bouger. Ton mari ne va pas bouger. Eh, Magwana. Oui. Magwana. Oui. J'ai l'argent ou bien j'ai pas l'argent. J'ai l'argent. Maintenant, si tu entends maintenant. C'est ce que tu as fait. Ce que tu as fabriqué, j'ai tout compris. Fabriqué quoi? C'est parce que ta vieille véhicule là, tu as tout fait. Tu pourras pas le réparer maintenant. Même ça, même si on envoie ça à l'usine maintenant, ça pourra pas. Ah bon? Moi je dis. Mais ton argent est quand même sur place, non? Mais là, je te dis à Kondo. Tu me dois 300 maintenant. C'est ça que tu payes là. Voilà. Non. Hein? Tu vas payer mes 125. Attends, s'il vous plaît, du respect. Il va payer mon argent là et puis là où il est comme ça. Tu ne bouges pas ici sans payer mon mécanicien. D'accord. Si tu n'as pas d'esprit. Je demanderai dire tout de suite. Il y a la caméra. Il ne faut pas m'insulter. Si, je t'insulte. Tu m'insultes. Attendez, il n'y avait pas de minuit et 14h, non? Oui. J'ai payé ton argent. Oui, tu as payé l'argent. Attends-moi ici, 5 minutes seulement. Viens, on va aller. Calmez-vous, si là-bas. Moi, c'est mon argent seulement. Tu as ton argent aujourd'hui. Le reste là maintenant, je vais voir. Quel est l'homme qui paiera me provoquer pour ça? Vous attendez? Vous serez payé. Si il vient, 1 franc. Si 1 franc manque, il ne faut pas payer. Même 5 francs. Toi, tu ne comprends rien. Comment ça? Attends. Si tu entends maintenant. Pour l'élage, et pour le mécanicien, et pour le vendeur de pièces, frais de carburant, et l'huile, parce que je suis à côté d'eux. Voilà, allons-y au village. Mais les autres nous attendent là-bas. Qui? Toi, je te dis de partir là-bas. Viens, on va partir au village. Si le violon n'a qu'à s'asseoir jusqu'à ce soir, moi je m'en fous. Donc tu fais tout ça, tu n'as pas d'argent ici. Il faut me faire l'argent. Épouser. Ça c'est pas bon. Passe. Je vais préparer vite jusqu'à arriver le bon frère. Qu'est-ce que tu entends de faire? Il vous a remboursé. Quoi que tu veux, c'est que j'entends de dire. Pour en tout ça là que tu rentres, mais j'entends de préparer pour faire sortir là-bas. Calme-toi, tu vas préparer jusqu'à prison. Tu vas jusqu'en prison. Attendez. Il n'y a pas de passation là-bas. Il ne faut pas le reprendre maintenant. C'est pas tes habits ça. Ramasse tout. Voilà. Où tu vas? Ça, c'est pas pour toi d'ailleurs. Où vous allez? Assieds-toi ici. Si le policier vient te trouver ici, tu vas quitter. Le policier encore? D'une manière. Viens, on va aller, toi. Allez. Eh, bon Dieu. Mais mon frère, tu vas partir de me laisser ici. Laisser quoi? Oui. Non. Assieds-toi. Si tu es assis, si tu veux, couche-toi maintenant que tu dors. Si le policier vient te trouver ici, voilà. Tu vas dormir là, dans les prisons. Viens, on va aller. Ah. Bon Dieu. Quel bon Dieu? Eh, Allah. Il y a le petit Dieu aussi. Alors.
dit ça que je dis. J'ai dit que le monsieur là, je n'ai pas confiance à monsieur là. Est-ce qu'après il n'est pas venu? Moi-même, en tout cas, moi, il faut que je gagne mon laza. Attends. Ah, d'accord. Tu as raison. Il a quitté ici, il était 14h. Il est maintenant 17h30. Il n'est pas venu. Voilà ce qu'on va faire. Attends. Moi, s'il ne vient pas, c'est vous qui allez me donner mon argent. C'est vous qui m'avez laissé partir. Si, aurait été moi, il n'allait pas bouger. C'est moi qui t'a donné le travail ou c'est lui qui t'a donné le travail? Mais c'est vous qui m'a encouragé. Qui? J'étais là. Quand il a envoyé son hélas, hélas, ne me parlez pas. Non, il ne faut pas m'accuser. Non, attention. Hélas, non. J'ai dit, s'il vous plaît. Attention. Attends. Et puis, écoute. Toi, tu es un enfant qui ne respecte pas les grains. Non, moi j'ai pas, je n'ai pas besoin du respect. Moi, j'ai besoin de mon argent. Ah bon, tu vas dire ça à Moussa. J'ai dit, je n'ai pas besoin de respect. Moi, c'est mon argent, je veux. Ah, tu dis ça. Moi, je ne connais pas le respect. Celui qui te doit, moi, je ne te dois pas. C'est tout. Ouais. Là, ouais. Voilà ce qu'on va faire. Ouais. Il a le camion, il a la voiture chez lui là-bas. Ouais, ouais. Hein? Ouais. On prend la voiture, ouais. On envoie au garage. Maintenant, on va nous trouver un amateur. C'est terminé. Ça. C'est ça? Ça. Chacun ça, aura son argent. Il n'y a pas de problème. D'accord, si c'est ça, si le ballon aussi. Si le ballon. Non, non, non. Bon, en tout cas, c'est ça. Hein? Comment c'est un imbécile de manger mon argent comme ça? Bonjour. Ça va à la maison? Et ton frère? Il est voyagé. Quoi? J'ai dit il est voyagé. Ton frère nous a laissé tout de suite au garage. On est en train de l'attendre là-bas. Il dit qu'il vient tout de suite avec sa femme. Il a voyagé et sa femme. Il est parti avec sa femme. Ah, ça c'est bien ça. C'est très bien. Ton frère me doit de l'argent. Il doit de l'argent au mécanicien. Il doit de l'argent au vendeur de pièces. Il nous laisse assis là-bas, il voyage. Il n'y a pas de problème. Le véhicule est là, n'est-ce pas? Oui. Moi, je vais envoyer les mécaniciens, ils vont ramener au garage. Et je vais revendre mon véhicule. Hé, hey, tonton, ne fais pas ça. Il ne va pas dire. Quoi? Il va venir dans 2 jours, là. Il ne va pas dire. Pardon. Toi, tu sais ce qui se passe. Tu connais ce qui se passe? Non, je ne connais pas. Oh, mais toi, tu es une femme derrière. Je n'ai pas à te répondre. Mais, comme il a voyagé, il n'y a pas de problème. Moi, je revends mon véhicule et je récupère mon argent. Je donne l'argent du mécanicien aussi. Un point, un trait. Il n'y a pas de problème. Là, il a un problème. Eh, Allah! Ça, c'est un autre problème encore. Ah, moi aussi, je ne vais pas rester ici. Vraiment? Lui aussi, il ne va pas dévier ce mot. Ah non, je le fais confiance, Hugo. Ah oui? Non. C'est ça. Mais tu sais quand même, c'est 25 000 francs qu'ils ont reçu d'abord. Ouais, ça reste 100 000 francs. Attends. Pour moi, Sidapa, oui. J'ai dit que le gars qui a vendu le véhicule, je le fais confiance. Ouais. Ah, c'était pas. Oui. Et on a discuté le prix. Oui. L'enfant, le jeune est parti, Moussa est parti avec nous 3 ans. Comment on a revendu le véhicule derrière lui? Oui. C'est que tu dois tu avoir là-dedans. Le gars, le prix convenu, il a respecté, il a envoyé l'avance. Maintenant, je t'ai donné ton avance. Je t'ai donné ton avance, je lui ai donné son avance. Ouais, ouais. Moi, j'ai pris l'avance. Ouais, ouais. Le reliquat maintenant qui reste, oui. Il a dit la date. Ce jour-là, il ne faut pas que la date là. Il a respecté. Oui, mais ce qui reste, c'est ce qui est bon. Il te reste combien? C'est pas 100 000 francs. Oui. Toi, c'est pas 150. Oui, c'est pour moi 150. Maintenant, écoute, toi aussi. Non, calme-vous. Et pourtant, c'est toi qui as envoyé l'acheteur là. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ah. Au niveau du démarché. Bon, donc, soyez tranquille. Quand il va m'envoyer le reste de l'argent, je vous appelle. Ou je passe vous voir. Chacun n'a qu'à rentrer en possession de ce qu'il doit avoir. D'accord. C'est pas ça. Ouais, d'accord. Moi, je vous laisse. Ok, ça. Ok. Bon, merci beaucoup. Ouais, merci. Bon, merci. Bon, merci. Ah, merci. Vraiment, c'est ça. Ouais. Au revoir. Ouais, on a un peu d'après. Oh, merci allez. Beaucoup. Ok. Bon, du courage. Oui. Le gars là est parti. Mais au moins, moi qui ai le démarcheur, tu dois être bien. Oui. Toi aussi, démarcheur. Attends d'abord. L'autre n'est même pas parti encore. On va voir ça après. Mais tous les démarcheurs... Ce que tu dois avoir, il faut gagner ça d'abord. Normalement, c'est au premier... Bon, quand le reliquat va venir, je vais te falquer ça.
D'accord. Je vais enlever ça. Il n'y a pas de discussion dans la salle. Non, je te dis que je vais faire ça. D'accord. Bon, on les voit là. Hein? Ok. Ouais. Bien. Ça va, viens-tu comme ça? C'est mon père qui m'avait commissionné là. Ah, bah, quel père encore? Le petit frère de mon papa. C'est mon papa lui quand il est décédé. Ah, tu as un jeune frère de ton papa? Oui, oui. Lui, il était au Sénégal pour faire la lutte traditionnelle. Lutte de quoi? Lutte traditionnelle. Mais, mon jeune frère, je ne suis pas de tout content avec toi. Non, bah, pourquoi? Tu sais, dans notre village ici, aucun véhicule qui prend quelqu'un pour venir à Fossouri ici. Non, sauf moi seulement. Maintenant, en venant ce jour-là, tu sais, avant que tu rentres dans notre village, dans le Bafon là, mon véhicule est venu là-bas, avant que le chauffeur il a fait caracara, il est rentré dans le mou. Donc, tous les jeunes du village sont sortis pour aller m'aider. Et toi, tu as refusé. Mais, mon jeune frère, je ne peux pas te dire ça. Si le petit poulet n'a pas entendu Koussou, voilà, il va entendre para. Ça, c'est vrai, il va entendre para. Vraiment, grand frère, tout ce que tu viens de dire, vraiment, tu as raison. Mais moi, je n'étais pas informé. Ça, c'est ma première nouvelle. Ah, là, je prends toutes mes excuses. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, je viendrai voir ma femme rapidement là. Ok, d'accord. Okay, merci. Ça fait un peu longtemps. Ah, ouais. Hey, quoi? Votre arrivée. C'est ça que j'ai dit. Ça fait 2 jours. 2 jours. Dans mon véhicule, là, dans les mots. Mais on a tout fait, tout le village est sorti, hein. Même les baies, on a pris les baies pour pousser le véhicule, mais ce n'est pas parti. Billahi l'azim. À ce soir. Ok, bonne suite de programme. Ok. Viens là. Où sont tes enfants? Ils étaient là tout de suite. Je ne sais pas où ils sont. Je te demande où sont tes enfants. Hein? Appelle-le. Eh, cousin. Ouais. J'étais aux toilettes. Ah, bon. Dis donc. Ça va? Ouais, ça va un peu. Tu sais que j'avais parlé mon ami, et n'a qu'à m'aider à voir la mère de Manioko. Ah, bon? Donc, c'est là-bas que j'ai... Ça dit, tu vois? Tout est bon. Ça, c'est bon. Donc, quand j'ai planté ça, wallahi, il va faire de bons fils. Il a bien fait comme ça. Ça, c'est très, très bon. Wallah, wallah. Eh, il n'y a pas de déjeuner? Quoi? Déjeuner. Pourquoi tu me demandes le déjeuner? Mais je dois te demander le déjeuner. Non, non, il ne faut plus me demander le déjeuner maintenant. Et puis, si c'est moi qui te donne le déjeuner, tu ne vas pas déjeuner ici aujourd'hui. Ça, je te dis la vérité. Mais parle-moi doucement. Sache que je suis ton mari. Je ne peux pas te parler doucement. Je ne peux pas te parler doucement. Déjeuner, mais attends. On dirait que c'est toi qui me donnes le déjeuner. Mais doucement, il ne faut pas m'énerver. Moi, je t'ai laissé ici pour aller commander la mère de Manioko. Quand on va dans les mous tout de suite là pour aller planter ça, si il y a beaucoup de fils là-bas, qui va manger? C'est pas toi. En partant, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as rien donné. Bon. Tu m'as donné quelque chose. Non, c'est bon. Maintenant, c'est-à-dire le frère est toujours attrapé maintenant. Prends tous tes clics et calac, on va descendre dans le mot pour aller travailler. Je ne vais pas au champ aujourd'hui. Pourquoi? Attends. Et puis, prends tous tes clics et calac. Que tu,
que tu me suis. Est-ce que tu m'entends? Où est mon dabat d'ailleurs? Attends-moi d'abord. Bon, il n'y a pas de problème. Prends tout, on va aller. On va aller pour aller crêcher un peu de patates. Que tu vas préparer ça pour nous aujourd'hui. Chez qui d'abord? Les champs de patates qui est à côté de notre sang. Eh, chez Bargali. Quel Bargali? Je ne vais pas là-bas. Quel Bargali? Je ne vais pas là-bas. Bargali est décédé, ça fait longtemps. Vous savez, je sais que Bargali est mort, mais il y a son jeune frère là-bas. Lui, il est fou plus que Bargali. Je ne vais pas là-bas. Non, hey. Pendant 20 ans, tu es avec moi. Donc, jusqu'à présent, toi, tu ne me connais pas. Si lui, il a joué avec moi, si je ne le tue pas comme son frère, que tu me prends mon hey, moi, je ne vais nulle part. Allez, rentrez. Hé, hey, cousin. Je te dis de rentrer. Regarde-moi ça. Je parle et tu parles. Ramasse tout ça là que tu viens avec moi. Prends ça aussi. Et l'autre là. Allez, alors. S'il est fou, je vais le prouver. Moi, je suis plus fou que lui. Ça, tu dis. Attends. Ah, cousin. Tu as encore commencé? Non, je n'ai rien dit. Hey, où vous étiez? Hein? Où vous étiez? On était en bas là. C'est normal ça? Oui, c'est normal. Mamadou, ils étaient au Marécou. Pourquoi faire là-bas? Depuis le matin, moi je l'ai dit, pourquoi faire là-bas? Hein? Regardez-moi ça, je n'aime pas ça, je vous dis ça. Hein? Mamadou, toi aussi, en parlant à tes enfants, faut parler doucement. Ah! Ah bon? Je comprends. Tout ce que les enfants en train de managasser ici, c'est toi. Comment c'est moi? Non, c'est toi. Attends, toi tu vas m'attendre. Toi, là où je t'ai envoyé. Ouais, il me dit que tout est prêt. Que nous sommes partis chercher. Wallahi. La mère de manioc là. Wallahi, il connaît les de manioc. Les manioc là, c'est que je crosse comme ça. Hein? C'est tellement doux. Ah bon? Si tu prends ça, le fils qu'il gagne, voilà, c'est tellement de plus que la mère de manioc. Cousin, si c'est dommage, je ne connais pas ça parce que tu as mangé sans rien me donner. Tu n'as rien mangé, tu n'as même pas honte de moi, dire je ça. N'ai rien. Allons. Tu parles les troupons. Bon, vous allez partir là-bas au Marigot, après creuser quelques parties pour qu'on puisse avoir de l'eau. Aujourd'hui, hein, ne viens pas ici aujourd'hui de vous venir ici seulement à me disant qu'il y a l'eau maintenant. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Allez, partez là-bas, toi, viens. Eh, Allah! Partez là-bas, c'est toi qui fais des questions. Non, il faut déposer ça, ça c'est pas bon. Papa, ça c'est pas bon. Eh, ça c'est long. Eh, allez, descends. Papa, oui. C'est le problème de désigner. Voilà, le mot de désigner là, je n'aime pas ça. Descends, je viens. Ah. Allez, vite, hein. Mais regardez, ça là, c'est pas bon. Si on va au champ comme ça, on vient manger. La vie d'ici, la vie d'ici. Toi, tu sais maintenant pourquoi les enfants là ne me respectent pas maintenant. Alors que je suis le jeune frère de leur père. Je suis leur père aussi. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Le jeune frère, le grand frère et le jeune frère, c'est la même chose. Oui, je le sais. Comme tu ne veux pas que les enfants là me respectent aujourd'hui, tu seras qui est Mamadou. Pardon. Et tu montrais que je suis le jeune frère de Bargali. Tu seras aujourd'hui. Pardon. Bien. Eh, ma mère. Eh, venez le venir. Oh, d'accord. Voilà.
ici, non? Bon. Attends-moi ici, je vais cracher l'autre là. S'il y en a dedans, parce que l'autre là n'a pas fait. Il n'a pas fait son fils d'abord. Il est trop méchant. Partout. Hey. D'accord. Allons, allons. Même ça. Regarde l'autre. Même l'autre là, il n'a pas fait son fils. Regarde l'autre là. C'est qui est devant comme ça. Eh, l'autre là. Oui. En bas. Oui. C'est vrai parce que lui il est bon. Ouais, ici c'est bon. C'est bon, non? Ouais, ici c'est bon. Et lui, il a un gros, gros, gros fils. Ah bon? Wallahi. C'est ça que je t'ai dit? Ouais. Hey. Attends. Mais ça c'est gros. Voilà, ça c'est gros. Bon, mais attendez, il ne faut pas presser plus que moi. Ah, mais il faut partir là. Bon, tu regardes ici là. D'accord. C'est ça qu'on va manger le soir. C'est lui. Tu connais ça? Ah, il est encore devenu. Oui. Allons, on va informer le père. Ah. Il n'y a pas de problème. Ça, si tu prépares ça pour nous aujourd'hui, et je vais remplir le chien là aujourd'hui. Mabana! Oui, cousin! Viens ramasser ça d'abord, que tu mets ça dans ta chien là. Il y a le chien ici. Oh. Je ramasse. Oh, ramasse. Rien manger aujourd'hui, si c'est pas ça. Si c'est pas ça, ma femme, on va rien manger. Ça, c'est pas des. Cousin. Oui, cousin. Viens par là, il y a beaucoup de patates ici. Bon. Regarde, ici. Ah. Voilà. Je me trompe. C'est ce que je cherchais dans ma vie. Ah, cousin. Je vais vous montrer aujourd'hui qui est Mamadou. Je vous montrerai aujourd'hui que je suis le fait de Baragali. Regardez-moi ça. Le tout est fini. Baragali est là. Qui? Mais allez-y. Qui est-ce qui? Vous saurez aujourd'hui que Baragali est mort, mais son jeune frère est là. Cousin. Attends, c'est ton nom? C'est un nom. Ah non. Je suis venu du Sénégal, j'ai fait la lutte traditionnelle. Est-ce que c'est ton nom? Vous saurez qui est Baragali? Qui est maman? Viens me le suivre avec vous. Vous saurez. Regarde. Hey, hey.
Et vous restez là. Je m'en fous. Si tu veux, faut mourir. Si tu veux, faut mourir, je m'en fous. Si on tue un voleur, on a tué un voleur, un animal, et tout. Ah, Jack, n'est pas moi. Alors, allons. Moi, toi, je connais tout. Attends, partout où tu vas. J'ai parlé. Celle-là ne m'entend rien. Non. On se marie pour avoir la liberté. Ouais. Oh non. Ouais. Hé, hein? Nakama. Hein? Tu crois que tu vas rester ici? Tu vas plus. Tu vas jamais rester ici. Ah. Elle a affaire avec son mari comme ça là encore. Je ne sais pas où j'ai mis mon chose là-haut. Hé, Nakama, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Nakama! Où est ton enfant? Si tu te fais doucement, tu vas mourir de quelqu'un. Oh, où est ton enfant? Hein? Où est ton enfant? Il est là, attends. Oh, va le chercher. Ouais. Tu n'en vous souviens qui je suis. Mais. Eh, va! Allez, vite! Regardez-moi ça. Comment? Parce que mon frère n'est plus. Viens. Papa. Ah, mais viens! Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu sais ce qui s'est passé? Ah, il faut parler, hein? C'est mon mari qui m'a dit de partir l'accompagner au champ. Ah! T'es accompagné? Hé, hey, pars vite! J'ai pas. Hé! Maman, attends-moi, il chante. Oh! Mais il me faut souffler maintenant vers lui maintenant. Hé, hey, parle! C'est ce que je veux. Il faut parler. Il faut parler! Parle. Il faut parler! Explique! Hé, hey, tu sais. Tu dis rien? Hein? Il a raison. Voilà, il a raison. Voilà. Ton fils a été creusé, mais patate là-bas. Attends. Patate de mes dents, mon. Okay, bon. C'est mon frère qui est parti. Moi, je suis là. Oui, c'est vrai. Je te dis ça, je suis là. C'est pas moi qui a creusé là-bas. Il faut envoyer ton fils. Laisse-moi. Envoie ton fils. Ah, attends. Je te dis d'envoyer ton fils. Mais je vais te tuer. Mamadou. Oui. Pardon. Moi, je te connais. Je connais ton frère. Mm-hmm. Je vous connais. Mm-hmm. Je connais même le grand arrière-grand-père de vous. Venez d'abord. Tu sais ce qu'il y a? Oui. Mais attends. C'est entre l'homme et l'homme maintenant. Ouais. Ah, tu sais ce qu'il y a? Je sais pas, vous que tu dis. Voilà, bon, pardon, à cause de Dieu, à cause de ton père, à cause de ta maman, ton arrière-grand-père, à cause de tous ces derniers-là. Pardon, je te... Tu penses quoi, mon arrière-grand-père? Tu penses quoi, mon... Nyalma-toi, là. Vous êtes des Souma. Tu connais ça? Oh. Souma. Ah! Pardon à cause de Dieu. Hé, il va jamais maintenant reprendre ça. Non, tout est fini, c'est fini. Il va jamais reprendre ça. Et quand même vous, c'est fini, après pas. Voilà. Après pas vous. Mba Djandi, Alana Nabikoso. Hé, là, comment? Viens. C'est sa femme. Ok. C'est la femme à mon oncle. Si il veut travailler, c'est maintenant moi. Là, moi je connais pas si tu étais derrière lui. C'est comme ça que tu travailles, je connais c'est pas. C'est mon neveu direct. Bon, mais s'il veut travailler, il n'est qu'à partir des jeunes. Me dire ça. Tu as entendu ça? Il a raison. Je peux lui aider. Hein? Allez voler l'objet des autres. Ah, c'est normal. Moi aussi, c'est pas du mal. Bon, pardon. Moi je vais lui chercher tout de suite. Il n'est qu'à partir de voir à la maison. Non, il n'y a pas de problème. Je te le confie aujourd'hui. Ah ouais, s'il veut travailler, il va bien travailler chez moi. Après, ici, je vais lui prendre main à main. Je vais te le remettre. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu le fais monter. Si tu veux, tu le fais descendre. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Pardon. Là, je suis d'accord. Pardon. Je suis satisfait. Souvent. Ouais. Ah, okay. Mandez-moi ça. Merci. Mandez-moi ça. Merci beaucoup. Mandez-moi ça. Merci. Toi, tu sais, les gens là n'ont pas de tête.
Mandé Massa. Ouais. Merci. Mandé Massa. Merci. Ah, ah. Merci. Ah, Kéri, dis-moi ça. Vous êtes des voleurs. Non, tu regardes. Hein? Eh, viens. Où est ton mari? Je ne sais pas là où il est parti. Mvatama! Mvatama! Oncle! Là, il est là, il est là. Gars, il est là. Ah, celui-là. Viens! Viens ici. Ah, mais je ne peux pas sortir d'ici. C'est trop petit. C'est par la fenêtre que tu es rentré. Hein? Ah, c'est sortez ici, ouais. Ah, ok. C'est... Si voilà. Je te trouve là-bas, je vais. C'est pas moi, hein? Oui. Sors! Ok. Voleur que tu es. Regarde-moi ça, ouais. Ton mari là, et puis, c'est un fainéant, hein? Sacré du moignon. Viens! Viens! Qu'est-ce que toi tu étais allé chercher là-bas? Où? Dans le champ de l'autre là. Est-ce que je suis. J'ai même pas. J'ai foutu mon pied là-bas, il est. C'est lui qui m'a dit de partir. Voilà! Mamadou! 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 Oncle, viens! Ah non, non, si tu viens la frapper, il faut la frapper. Moi je vais appeler Mamadou. Parce que tu ne connais pas d'autres personnes ici, Mamadou. Il faut te tuer ici. Lui, son frère n'avait pas de tête. La tête de ce dernier était gâtée. Mais Mamadou là, lui n'a même pas de coups pour fabriquer la tête. Voilà. Si tu ne fais pas doucement seulement, on va te tuer ici. Pour rien. Pour rien quoi. Moi, je n'ai pas peur de lui. Hein. Je n'ai pas peur de lui. Hein. Si le homme n'a qu'à venir, il va me connaître qui je suis. Bilal. Tu me dis ça maintenant, je vais monter sur toi. Regarde-moi ça. Et il me pour accrocher. Donc, pour accrocher. Moi, j'étais venu pour me préparer. Hein. C'est pas ça. C'est ça. Allah. C'est pas ce que j'ai dit au sein là-bas. J'ai dit que je viendrai à la maison pour venir me préparer. C'est ça. Dès que je sors. C'est bon. Non, tu le supportes maintenant, c'est bon. Il n'y a aucun problème, vraiment. Donc, je t'ai donné à un voleur comme ça. Toi, tu voles. Impatomment. Tu n'as pas pensé. Yes. Ton père n'a pas volé. Ta maman n'a pas volé. Moi, je ne suis pas voleur. Mais ton père a volé. Yes. Oui, d'accord. Ça, c'est ton grand-père. Mon père est ton grand-père. Mais, attends. Oncle. Viens, va aller. Je n'aime pas ça, Gouya. Attends, j'avais oublié. Le soir, tu vas lui voir. Qui? Mamadou. Oh! Là, attends, je peux pas. Elle est vraiment une gaïe. Quel gaïe? Je te le confie aujourd'hui. Marie Bonnet à Kala, main à main. Et il faut qu'elle fasse ton fils, même pas moi. Papa, on ne peut pas aller là-bas. Là, attendez. Bagnou qui est là, lui c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose. Non. Si c'est goût, si c'est bas, t'es fengu, fais le caca de gros. Ah ouais, cette fois-ci, t'as fait ta mère le fengu à maman. Papa, on ne peut pas aller là-bas. Si tu vois aujourd'hui, tout le village là parle de ces gens-là. Mais c'est le travailleur. Toi aussi, c'est toi qui as décidé ça. Comment? Si c'est pas à cause de toi, il a rien décidé. C'est pas bon. Bon, tu sais que avec ma bagnole là qui a refusé de marcher comme ça, j'ai laissé ça en ville encore. Donc je sais pas comment on va faire maintenant. J'étais venu envers toi pour que tu puisses m'arranger. Je vais aller dépanner ça après pour me retourner. Il faut aller d'abord. Moi, je vais réfléchir sur ça. Si tu auras le temps, il faut aller lui voir. Quand tu te vois avec ce dernier, il va quelque chose. C'est ça? Ok. Maintenant, le soir, je vais te amener là-bas le soir. Tu partiras voir. Mamadou, après tu viendras, on va partir ensemble. On part ensemble, non? Non, je ne vais pas aller là-bas. Calme-toi! Vous allez partir là-bas? Voilà. Il a quelque chose, c'est quelqu'un de... Il peut faire tout pour toi. Ok, pas de problème. En tout cas, on verra. Ok, bon, c'est ça. Donc moi, je suis là. Mm-hmm. Mais ne reprends plus ça là maintenant. Quoi? C'est que vous avez fait comme ça. Mais tu m'as pas dit tout de suite là que tu m'as confié. Je te le confie? Bon, maintenant, si je reprends quelque chose, ça... Non, il faut travailler seulement. Quel travail? Regarde. C'était Gouba, non? C'est devenu maintenant, correct? Tu as vraiment gâté mon boubou. Qui a gâté? C'est toi? Pourquoi? Tu vas tomber! Regarde, tu vas te blesser pour ne rien. Mbatoma. Oncle. Ça, c'est quel coulou, ça? Oncle. Lève-toi! Laisse-moi, Gandhi. Oncle, mon millet. C'est toi qui m'as fait tomber dans le trou là tout de suite. Donc, toi aussi, tu es descendu. Il n'y a pas de problème. Mon millet, oncle. Ton millet? Oui. Mbatoma. Montez-moi. Toi aussi, tu vas te blesser pour ne rien.
ton milieu. Eh, ah, pas ton tu veux tout gâter comme ça. Lève-toi en bas, allez. Ouais. Eh, ça te fait mal? Ouais, en gros. Eh, descends ici. Ton mari, là, vraiment. Voilà. Okay. Il y a Abilini, ma. Encore. C'est bon? C'est bon. Voilà. C'est bon. Encore. Écorce-toi, on va aller. Comme j'étais prévenu, il faut dire à maître, le reste de l'argent est venu. Tu vois, j'ai pas pris mon petit déjeuner aujourd'hui. Ah. J'ai tellement croqué ça. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Il fallait partir au champ, aller chercher creuser un peu de patate pour préparer ça le matin. Ah, c'est ça? C'est normal? Il n'y a rien là-bas. Tu dis ça à qui? Ah, je parle. Il n'y a rien? Il n'y a rien. Hein? Mmh, vous voulez? Maintenant, tu oses maintenant, hein? Si tu ne fais pas attention, je vais te botter, hein? Et moi? À qui que je parle? Hein? Moi, je suis toi aussi, là. Fais doucement, go. Où sont tes enfants? Ils sont pas. Ils sont pas là, c'est pas un mot, hein? Toi-même, tu sais qu'ils sont partis au champ. Mais tu voulais me dire ça? Ah, tu connais? À quoi bon de te dire? Hé! Allah Akbar! Salam alaikum. Alaikum salam. Assalam alaikum. Alaikum salam. Assalam alaikum. Viens. Je vais pas lui qui est assis comme ça. Ah, mais c'est lui. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais venez! Ouais. Moi, allez, je ne veux pas voir le teint noir là. Hé, hé. Tais-toi. Viens, venez. Assois-toi. Quand tu vas chercher. Viens t'asseoir ici. Ah, mais assieds-toi. Hé, hey, viens t'asseoir. Tout de suite. Ça va? Ça va un peu. Et ton père? Qui? Mon oncle. Ah, c'est ton oncle? Oui, oui. Il est là-bas? Oui, il est là-bas. Et tu dis bien de celui-là. On a vendu le véhicule. Vous avez eu, chacun a eu une avance. Toi, tu as eu combien? 100 000. 100 000. Oui, 100 000. Maître, tu as eu combien? 25 000. Comme avance? Oui. Maître, c'est pas ça. Non. C'est pas vrai. Non. Pourquoi c'était écrit? 25 000 francs. 25 000 francs, ça restait 100 000 francs. Et quel âge? Mon argent était 125 000 francs. Vous m'avez donné 25 000 francs, ça restait combien? Non, c'est pas 100 000 francs. D'accord. 100 000 francs. Oui. Toi, il te reste combien? À 150.
150. Ouais, ouais. Et moi, j'ai reçu 100 000. J'ai reçu 100 000. Oui. Maintenant, moi, ce que j'avais dans le problème maintenant, c'était 400 000 francs. 400 000 francs? Ouais. Et là, après. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais. Tu parles pas? Ouais, je veux parler, frère. Mais dis donc, parle-toi, vous, il faut parler. Moi, je n'ai rien à dire ici. Mais pas toi qui m'as dit de venir t'accompagner. Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est toi qui es homme, c'est toi qui dois parler, toi. Dis donc, parle! Ça m'a sauté, quoi. Mais vous parlez? C'est ça. Salalam. Salut. Au lieu de dire salalam à ta femme, tu dois dire salalam à ton grand frère. Mais toi, comment toi tu es? Grand frère, salalam. Salut, mais Asouli. Je suis là, c'est pas autre chose. Tu sais, j'ai mon bagnole en ville. Donc, ça est en panne. Je suis venu pour ça, pour que si tu pourras m'aider. Avoir combien d'ailleurs? C'est 800 000. Ah, c'est ça. 800 000? Ah, si je pourquoi faire avec ça? Voilà, tu sais, j'ai mon bagnole qui est en panne. Je voudrais réparer ça. Quoi. Oui, oui. Ouais. Oui. C'est ça. Oui. On m'avait dit que tu as une voiture. Mais c'est sûr? J'ai une petite voiture avec un car encore. Ça marche bien? Oui, un petit bus comme ça. Ah, minibus. Un minibus. C'est bon? Oui, c'est ce qui envoie les gens ici. Ah, oui, ok, oui, ok. Oui. C'est bien ça? Oui. Mais où c'est? C'est en ville. C'est en ville. Koulomodia. Mais pourquoi tu ne l'as pas envoyé ici? Non, ça en panne un peu. Ah, c'est pourquoi tu veux ça? Je veux ça, quoi. Ah. Ça c'est vrai, c'est important, ouais. C'est important. Y a pas de... Mais écoutez, écoutez, si je te donne l'argent, quand est-ce que tu vas me ramener? Non, ne t'inquiète pas pour ça. Mon oncle est là. Non, je sais que c'est... On passe d'abord par ton oncle. Oui. Mais je te demande quel jour que tu vas envoyer l'argent. Voilà. C'est-à-dire, c'est ton père qui connaît ça, non? Oui. Mon oncle. Oui. Bon, voilà. Lui va moi, dire écoutez, quel jour que nous devons... Écoutez, prendre. Moi j'ai l'argent oui. Avec moi. Oui. Mais moi je ne te connais pas. Je connais ton oncle. Voilà. Ton oncle, c'est un ami intime. Voilà. Je vais le voir. Mm. Si on tombe d'accord, je te parle 800 000. Mm. Mais dans le cas contraire, tu envoies mon argent. Oui, oui. Eh. Tu as compris? N'est-ce pas, madame? C'est pas ça. Tu as compris? Moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas du tout pour qu'on lui remette l'argent. Mais il y a un bruit tous maintenant. Hein. Comment ça? Tous maintenant. À chaque fois que je décide que tu. Tu décides ce que tu veux que tu prends ce que tu décides. C'est normal ça. Hein? C'est normal ça. Il doit... À partir de maintenant là, comme tu m'as chaque fois que je te dis ça, tu m'as pas respecté aujourd'hui. Je veux te botter aujourd'hui comme je veux. Hein? Couche-toi ici. Couche-toi vite. Je te dis de coucher. Je viens. Grand frère. Tu sois à qui je suis. Pauvre. Non. Ça c'est difficile. Hey. Frère, excusez. Hey. Pardon. Le mot excusez là, je n'aime pas ça. Si toi d'abord, ah, je n'aime pas ça. Tu ne vas pas reprendre maintenant. Je ne veux plus reprendre. Pourquoi tu parles? Mais assieds-toi, sinon il va te frapper. Pourquoi si je parle? Pardon, je ne veux plus reprendre. Billah, je veux que. Pourquoi si je parle? On ne peut rien faire ici. Mon frère! Oui, juste parle! Ah ouais, frère, il faut faire deux seulement maintenant, deux seulement. Il faut le frapper deux seulement. Pardon! Deux seulement, c'est bon. Hein? Il faut le frapper deux seulement. Pourquoi tu fais ça? Voilà, ça reste un. Ah là! Allez, lève-toi! C'est bon maintenant. Allez, lève-toi! Toi aussi, c'est que je fais comme ça, c'est bon. Bon, toi, tu vas, je viens à la maison tout de suite. Je viens me voir avec ton oncle. D'accord, merci. Ok. Regarde, si je parle, tu parles. On dirait que c'est quoi? Je suis ton mari, c'est moi qui décide. Regardez-moi ça. Si vous seul, vous prenez les 400 000 francs. Mais je suis le propriétaire du véhicule. Oui, vous êtes le propriétaire du véhicule, mais c'est moi qui ai le réparateur. Oui, mais prix de vente et prix de réparation, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais quand même, c'est moi qui a encouragé le gars encore de payer le véhicule. Dis donc, écoute, on te doit 100 000 cas. Oui, mais à part de ça, c'est moi qui étais le démarcheur. Démarcheur. Ça a marché où et où? Mais c'est moi qui a encouragé le gars. Ah. Sinon, le gars ne voulait pas payer le véhicule. Mais attention, maître, il faut faire attention. Hélas. Moi, j'ai perdu dans mon véhicule là. Écoute, on te doit 100 000 francs. C'est pas ça? Sirafa, moi je ne fais pas de commentaires. J'ai reçu l'argent. Le soir, vous passez à la maison, je vous remets votre dû.
tes 100 000, tu auras ça demain, ce soir. Lui, il aura ses 150 000 ce soir. C'est ça. C'est pourquoi je suis passé là, t'informer. Donc, maintenant, si vous ne passez pas le soir, si vous laissez après-demain ou le surlendemain, si je bouffe l'argent, ce n'est pas mon problème. Hein. Non, non, non. Le soir, écoutez, tu passes à la maison, oui, je te remets. J'ai tout compris. C'est que ce qu'on te doit dans le problème là. J'ai tout compris. J'ai dit, comme c'est moi qui étais encore le démarcheur. Démarcheur. Tu as marché où tu es assis dans ton mais, garage. Mais quand même, on va voir ça après. D'accord. Au revoir. Ok, merci voilà. Beaucoup. Ouais. Mm-hmm. Oh. Les gars là, vraiment. Il est trop maniaque. Si Elad vient ici à mon messieurs, 100 000 francs. Mais si un franc manque, ça va très mal passer. Vous avez compris? Quand l'homme parle, sa femme doit pas parler. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand l'homme parle, sa femme doit se taire. Moi, j'ai en train de dire là-bas, l'homme là, il n'a qu'à nous aider à avoir 800 000 francs. Et sa femme dit, moi, je ne suis pas pour. Il a dit qu'il va corriger sa femme. Et tu dis qu'il ne doit pas corriger sa femme. Pousse-toi. Mais je n'ai rien dit. Pousse-toi, mal. Ne me dis pas. Vous indiquez que tu veux mes frères, pousse-toi. Sinon je n'ai rien dit là. Pousse-toi, tu dis. L'autre n'est pas couché devant toi là-bas. Couche-toi. Dis que tu veux mes frères, sinon je n'ai rien fait du mal. Excuse-moi. Ah. Bon, si je te dis tout ce que tu as que je te frappe pas aussi, Dieu va me condamner pour vous à vous. Même si je donne deux. Ah, couche-toi, Andy. Ah! Tu vas dire maintenant. Écoutez. Ouais, Dieu va me condamner. Couche-toi. Ah! Bon, lève-toi. C'est pourquoi tu ne reprends plus maintenant. Allons. Mouré. Ferme ta bouche, gourou. Allez, allez. Hein? Ouais. Il faut travailler. N'est pas faire. Venez par là. Ah, venez donc. Tu n'as rien remarqué dans les deux jours là, hein? Oui, un peu. Hein? Mmh. Quoi? Le comportement du père là. Je connais. Lui, il est dur plus que notre papa. Si on ne fait pas attention avec lui là, ça nous coûtera de la quinine à boire. Vraiment? Je vous assure. Complètement. C'est le bon moment de faire le sérieux. Laisse là-bas. Venez. Mais... Ah. Doucement, les. Bon. Il faut ramasser les trucs. Alhamdoulilah, rapide à la minute. Moi, comment? Aidez-moi ici. Ah, il y a un gros dans c'est pour griller l'arachide. L'arachide là, tu sais. Quelqu'un vous demandez. Écoutez, c'est lourd. C'est lui qui a préparé ça. C'est Noumouké. C'est Noumouké qui a fabriqué ça. Ah bon. Oui. Ça c'est bien. Oui. C'est toi qui étais parti voir le gagnant. Qui? Mamadou. Oui, Mamadou, c'est bien moi. Voilà. Bamfatoma, salut à Mamadou. Salut la Rasul. Mamadou m'a remis 800 000 francs. Justement, c'est ce que je l'ai dit, oncle. Voilà. Je ne voulais pas prendre garantie. Donnez-moi, qui dit directement. À là-bas. Eh, c'est non, pour non, aller... mais attends. C'est pour te remettre l'argent. Et quand on fait un bon, là, il ne faut pas diminuer. Il y a un grand sonné. Et puis, tu as dit quoi? Je laisse tout ça. Non, il faut laisser ça. Mais il y a un sonné. On a confiance en moi ici, dans le village là. Quand je dis devant quelqu'un, donnez-moi un milliard, il me remet. Et si à cause, c'est à cause de moi que Mamadou m'a remis l'argent là, c'est pour ça. Remettre. C'est ça. Et pourquoi tu es pressé?
Hein? Tu sais, la voiture a trop duré. Bon, tu vois maintenant. Eh, bon, maintenant, attends. Maintenant, je vais te le remettre, les 800 000 francs. Mm-hmm. Mais sachez quelque chose. Mm. En rentrant ici, il faut rentrer avec la voiture. Et est-ce que, bon, il n'y a pas d'étrangers dans notre village ici maintenant, Fossoré? C'est la seule voiture qui va prendre les gens pour Fossoré. Je connais ça. Hein? Je connais ça. Voilà. Mais ni ma latama, la tamanya le maoule manyinde. Bon, y'a même là. Comment ah. Bédab la on va prendre ça d'abord, on va faire. Ah, je vais te remettre de l'argent. Parce que tu es de l'encore, je laisse ça maintenant. Eh, tu te demandes, même pas l'encore, on a fait le mendi. Allez, qu'on a eu le camera, mais il y a quoi, qu'on a eu le camera, il n'a pas de tête, il fait. Mais tu m'as. Son cerveau est mélangé par sang, par le sang. Il n'a pas d'esprit, ça je te dis. Non. Il t'a remis l'argent, non. Il m'a remis l'argent là comme ça, sans se penser d'ailleurs. Je le rembourse. Ah, on va faire rentrer. Je rembourserai ça. Ah, il faut rembourser. Je rembourserai. Ah. Parce que lui, il n'a pas de tête. Voilà. Mais oncle, toi aussi, tu sois un peu. Tu es trop pressé. Eh, eh, et après, tu me trouves à la maison. Okay. Je vais te remettre l'argent. Ok. Hein? Ok. Tu as compris, hein? J'ai compris. Voilà. Eh, madame! Il est en train de dormir. Ah, elle dort? Ok. Donc, tu me trouves là-bas. Hein? Ok. Voilà. Maintenant, oncle, il ne faut pas te déplacer maintenant. Dit. Non, je ne vais pas me déplacer. Ok. Essaye de soulever. Faut soulever. Non, ici. Soulève. Pourquoi tu l'as accidenté? Rémi, tu as salam alaikum. Wa alaikum salam. Pardon. Oui, tu peux m'inviter. Voilà, tu vas toujours travailler. Oui. Ah, c'est là que tu ne me connais pas. C'est moi, Moussa. Maître, viens tout. Viens me voir rapidement. Je dois partir. Pardon pour l'amour. Hein? Non, c'est un apprenti. Qui? J'ai dit, c'est mon apprenti. Ah, hein. Moi, je ne suis pas ton apprenti. C'est que j'ai à faire avec toi. Ça va, mec? Bon, un peu. Tu me reconnais? Je ne te connais pas. Allahu Akbar. Présente-toi. Voilà. Moussa. Oui, j'ai dit je connais beaucoup de nommés Moussa. Présente-toi. Quel Moussa? Je suis le seul Moussa qui a amené son véhicule avec toi. Minibus. Mabana. Minibus? Hein? Dans mon garage? Hein? Ah, dis le maître. Avant, je te dois 250 000. J'ai payé 5 000. Ça a resté 150 entre toi et moi. Et avec l'âge et le... Un homme, c'est la femme aussi. Lui aussi, je le dois. Tu me reconnais maintenant, maître? Comme je t'ai prévenu. Tu la maître, le reste de l'argent est venu. On a vendu le véhicule. Vous avez chacun a eu une avance. Toi, tu as eu combien? 100 000. 100 000, oui. Tu as eu combien? 25 000. Oui, je te reconnais maintenant. Ah, tu me reconnais? Tu as dit quand même, je te reconnais. Donc ton argent, c'est ce que j'ai amené. Et tu donnes. Tu donnes. Mais écoute-moi d'abord. Ah. Je te reconnais. Mais il s'agit de la voiture. Nous, on a vendu ça. Quoi? J'ai dit, on a vendu. Subhanallah. Subhanallah. Pour moi, on ne peut pas vendre ça. Sinon. Toi. Oui, mon gars. Oui, la voiture.
voiture que j'ai amenée. Où est la voiture que j'ai amenée? C'est Inès qui n'a pas Mohamed Rasoulallah. Oui. Tu parles d'un mot, tu vas me connaître. Tu parles pas. Ton père n'a pas volé, ta maman n'a pas volé, moi je ne suis pas voleur. Mais ton père a volé. Oui d'accord, ça c'est ton grand-père. Moi, mon père est ton grand-père. Mais, attends, oncle. Viens, va aller. Ah, je n'aime pas ça, Gounia. Attends, j'avais oublié. Le soir, tu vas lui voir. Qui? Mamadou. Oh! Attends, je peux pas. Elle est vraiment gnaïs. Mais quel gnaï? Je te le confie aujourd'hui. Mais il faut que tu aies main à main. Et il faut que tu fasses ton fils, même pas moi. Papa, on ne peut pas aller là-bas. Là, attendez. Bagnou, qui est là? Lui, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose. Non. Si c'est goûté, si c'est pas, tu fais une goûte. Ah ouais, cette fois-ci, tu as fait le fin du. Papa, on ne peut pas aller là-bas. Si tu vois aujourd'hui, tout le village là parle de ces gens-là. Mais c'est le travailleur. Toi aussi, faut c'est toi qui as décidé ça. Comment? Si c'est pas à cause de toi, il allait décider. Vraiment, il n'y a pas de phobie, il n'y a pas de phobie. Il n'y a pas de phobie, mais vraiment, il n'y a pas de phobie. C'est pas bon. Bon, tu sais que, avec ma bagnole là qui a refusé de marcher comme ça, là, j'ai laissé ça en ville encore. Donc, je ne sais pas comment on va faire maintenant. J'étais venu envers toi pour que tu puisses m'arranger. Je vais aller dépanner ça après pour me retourner. Il faut aller d'abord. Moi, je vais réfléchir sur ça. Si tu auras le temps, il faut aller lui voir. Quand tu te vois avec ce dernier, il va quelque chose. C'est ça? C'est ça? Ok. Maintenant, le soir, je vais te amener là-bas le soir. Tu partiras voir. Mamadou, après tu viendras, on va partir ensemble. On part ensemble. Moi, non, je vais pas aller là-bas. Calme-toi. Vous allez partir là-bas. Voilà. Il a quelque chose. C'est quelqu'un de. Il peut faire tout pour toi. Ok, pas de problème. En tout cas, on verra. Ok, bon, c'est ça. Donc, moi, je suis là. Mais ne reprends plus ça là maintenant. Quoi? C'est que vous avez fait comme ça. Mais tu m'as pas dit tout de suite là que tu m'as confié. Je te le confie. Bon, maintenant, si je reprends quelque chose, ça. Non, il faut travailler seulement. Quel travail? Regarde. C'était Kouba, non? C'est devenu maintenant, correct? Tu as vraiment gâté mon boubou. Qui a gâté? C'est toi? Pourquoi? Tu vas tomber! Regarde, tu vas te blesser pour ne rien. M'fatoma. Onkoulou. Ça, c'est quel coulou, ça? Onkoulou. Lève-toi. Laisse-moi. Magandi. Onkoulou, mon milé. C'est toi qui m'as fait tomber dans le trou, là, tout de suite. Donc, toi aussi, tu es descendu. Il n'y a pas de problème. Mon milé, onkoulou. Ton milé? Oui.
même pas toi, moi. Maintenant. Hein? Tu, toi aussi, tu vas te blesser pour rien. Ton milieu. Ah, pas toi, moi. Oh. Ah, ouais. Tu veux tout gâter comme ça. Lève-toi en bas, allez. Ouais. Eh, ça te fait mal? Ouais, Yankou. Eh, descends ici. Ton mari, là, vraiment. Voilà. Eh, okay. Il y a Gouli Nima. Angolo. C'est bon? C'est bon. Voilà. C'est bon. Angolo. Efforce-toi, on va aller. Efforce-toi, on va aller. Efforce-toi, ne suis pas là. Angolo, monte-moi. Ouais. Je ne peux pas. Au nom de Dieu, je ne peux pas. Comme j'étais prévenu, il faut dire à maître, le reste de l'argent est venu. Tu vois, j'ai pas pris mon petit déjeuner aujourd'hui. Ah. J'ai tellement croqué ça. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Il fallait partir au champ, aller chercher creuser un peu de patates pour préparer ça le matin. Mm-hmm. Ah, c'est ça? Mm-hmm. C'est normal? Il n'y a rien là-bas. Tu dis ça à qui? Ah, je parle. Il n'y a rien? Il n'y a rien. Hein? Vous voulez? Maintenant, tu oses maintenant, hein? Hum? Si tu ne fais pas attention, je vais te botter, hein? Et moi? À qui que je parle? Hein? Moi, je dis toi aussi, hein? Fais du chemin, go! Où sont tes enfants? Ils ne sont pas. Ils ne sont pas là, ce n'est pas un mot, hein? Toi-même, tu sais qu'ils sont partis au champ. Mais tu voulais me dire ça? Ah, tu connais. À quoi bon de te dire? Hey! Allahu Akbar! Salam alaikum. Alaikum salam. Assalam alaikum. Alaikum salam. Assalam alaikum. Viens. Je vois lui qui est assis comme ça. Ah, mais c'est lui. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais venez! Ouais. Moi, allez, je ne veux pas voir le teint noir là. Hé, hé. Tais-toi. Viens, venez. Assois-toi. Quand tu vas chercher. Viens t'asseoir ici. Ah, mais assieds-toi. Hé, hey, viens t'asseoir. Tout de suite. Ça va? Oui, ça va un peu. Et ton père? Qui? Mon oncle. Ah, c'est ton oncle? Oui, oui. Il est là-bas? Oui, il est là-bas. Et tu dis bien de ce. On a vendu le véhicule. Vous avez eu, chacun a eu une avance. Toi, oh. Tu as eu combien? 100 000. 100 000? Oui, 100 000. Maître, tu as eu combien? 25 000. Comme avance? Oui. Maître, c'est pas ça. Non. Ça, c'est pas vrai. Non. Pourtant, c'était écrit. 25 000 francs. 25 000 francs, ça restait 100 000 francs. Et quel âge? Mon argent était 125 000 francs.
Vous m'avez donné 25 000 francs, ça restait combien? Ah, c'est pas 100 000 francs. D'accord. 100 000 francs. Oui. Toi, il te reste combien? À 150. 150. Moi, j'ai reçu 100 000. Oui. Maintenant, moi, ce que j'avais dans le problème maintenant, c'était 400 000 francs. 400 000 francs? Oui. Et là, après. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais. Tu parles pas? Ouais, je veux parler, frère. Mais dis donc, parle toi, vous, s'il faut parler. Moi, je n'ai rien à dire ici. Mais c'est pas toi qui m'as dit de venir t'accompagner. Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est toi qui es homme, c'est toi qui dois parler, toi. Dis donc, parle! Ça m'a sauté, quoi. Mais vous parlez? C'est ça. Salalam. Salut. Au lieu de dire salalam à ta femme, tu dois dire salalam à ton grand frère. Mais toi, comment toi tu es? Grand frère, salalam. Salut, bien sûr. Je suis là, c'est pas autre chose. Tu sais, j'ai mon bagnole en ville. Donc, ça est en panne. Je suis venu pour ça, pour que si tu pourras m'aider. Avoir combien d'ailleurs? C'est 800 000. Ah, c'est ça. 800 000? Ah, si je pourquoi faire avec ça? Voilà, tu sais, j'ai mon bagnole qui est en panne. Je voudrais réparer ça. Quoi. Oui, oui. Ouais. Oui. C'est ça. Oui. On m'avait dit que tu as une voiture. Mais c'est sûr? J'ai une petite voiture avec un car encore. Ça marche bien? Oui, un petit bus comme ça. Un mini bus. C'est bon? Oui, c'est ce qui envoie les gens ici. Ah, oui, ok, oui, ok. Oui. C'est bien ça? Oui. Mais où c'est? C'est en ville. C'est en ville, Koulomodia. Mais pourquoi tu ne l'as pas envoyé ici? Non, ça en panne un peu. Ah, c'est pourquoi tu veux ça quoi? Ah. Ça c'est vrai, c'est important, ouais. C'est important. Y a pas de... Mais écoutez, si je te donne l'argent, quand est-ce que tu vas me ramener? Non, ne t'inquiète pas pour ça. Mon oncle est là? Non, je sais que c'est... On passe d'abord par ton oncle. Oui. Mais je te demande quel jour que tu vas envoyer l'argent. Voilà. C'est-à-dire, c'est ton père qui connaît ça, non? Oui. Mon oncle. Bon, voilà. Lui va moi, dire écoutez, quel jour que nous devons écoutez, prendre. Moi j'ai l'argent oui. Avec moi. Oui. Mais moi je ne te connais pas. Je connais ton oncle. Voilà. Ton oncle, c'est un ami intime. Voilà. Je vais le voir. Mm. Si on tombe d'accord, je te parle 800 000. Mm. Mais dans le cas contraire, tu envoies mon argent. Oui, oui. Tu as compris? N'est-ce pas, madame? C'est pas ça. Tu as compris? Hein? Moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas du tout pour qu'on lui remette l'argent. Mais il embrouille tous maintenant. Hein? Comment ça? Tous maintenant. À chaque fois que je décide que tout. Tu décides ce que tu veux que tu prends ce que tu décides. C'est normal ça. Hein? C'est normal ça. À partir de maintenant là, comme tu m'as chaque fois que je te dis ça, tu m'as pas respecté aujourd'hui. Je vais te botter aujourd'hui comme je veux. Couche-toi ici. Couche-toi vite. Je te dis de coucher. Je viens. Grand frère. Tu sais à qui je suis. Pauvre. Non, ça c'est difficile. Hey. Frère, excusez. Hey. Pardon. Le mot excusez là, je n'aime pas ça. Si toi d'abord, hein? Je n'aime pas ça. Tu ne vas pas reprendre couche maintenant. Je ne veux plus reprendre. Pourquoi tu parles? Mon frère, plaît pour moi. Pourquoi assieds-toi, sinon il va te frapper. Pourquoi je parle? Pardon, je ne veux plus reprendre. Billah là, je veux que. Pourquoi je parle? On ne peut rien faire ici. Mon frère! Oui, si je parle! Ah, frère, il faut faire deux seulement maintenant, deux seulement! Il faut le frapper deux seulement! Pardon! Deux seulement, c'est bon! Hein? Il faut le frapper deux seulement! Pourquoi tu fais ça? Voilà, ça reste un! Allez, lève-toi! C'est bon maintenant! Allez, lève-toi! Toi aussi, c'est que je fais comme ça, c'est bon! Bon, toi! Tu vois, je viens à la maison tout de suite! Viens me voir avec ton oncle! D'accord, merci! Ok? Regarde, si je parle, tu parles. On dirait que c'est quoi? Je suis ton mari, c'est moi qui décide. Regardez-moi ça. Pour moi, Sidafa, oui. J'ai dit que le gars qui a vendu le véhicule, je le fais confiance. Ouais. Ah, c'était quoi? Oui. Et on a discuté le prix. Oui. L'enfant, le jeune est parti, Moussa est parti avec nous trois ensemble. Comme on avait vendu le véhicule derrière lui, oui. Ce que tu dois avoir là-dedans. Le gars, le prix convenu, il a respecté, il a envoyé l'avance. Maintenant, je t'ai donné ton avance, je l'ai donné son avance. Ouais, ouais. Moi, j'ai pris l'avance. Ouais. Le reliquat maintenant qui reste, oui. Il a dit la date. Ce jour-là... Il ne faut pas qu'il y ait la date là... Non, dis donc. Il
il a respecté. Oui, mais ce qui reste, c'est ce qui est bon. Il te reste combien? C'est pas 100 000 francs, oui. Toi, c'est pas 150 000 francs. Oui, c'est pour 150 000 francs. Maintenant, écoute, toi aussi. Non, calme-vous. Et pourtant, c'est toi qui as envoyé l'acheteur. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ah. Au niveau du démarché. Bon, donc, soyez tranquille. Quand il va m'envoyer le reste de l'argent, je vous appelle. D'accord. Je passe vous voir. On va. Chacun n'a qu'à rentrer en possession de ce qu'il doit avoir. D'accord. C'est pas ça. Ouais, d'accord. Moi, je vous laisse. Ok, ça. Ok. Bon, merci beaucoup. Ouais, merci. Bon, merci. Bon, merci. Ah, merci. Vraiment, c'est ça. Ouais. Mmh. Au revoir. Ouais, on a un peu d'appel. Oh, merci oui. Beaucoup. Ok. Bon, du courage. Oui. Mais au moins, moi qui ai le démarcheur, tu dois être bien. Toi aussi, démarcheur. Attends d'abord, l'autre n'est même pas parti encore. On va voir ça après. Mais tous les démarcheurs, ce que tu dois avoir, il faut gagner ça d'abord. Ah, normalement, c'est au premier. L'argent. Bon, quand le reliquat va venir, je vais te défalquer ça. D'accord. Je vais enlever ça. Là. Mais il n'y a pas de discussion dans ça. Non, je te dis, je vais faire ça. D'accord. Bon, on les voit là. Hein? Ok. Ouais. Ah, moi aussi. Tu vas bien? Oui, viens-tu comme ça? C'est mon père qui m'avait commissionné là. Ah, bah, quel père encore? Le petit frère de mon papa. C'est mon papa lui quand il est décédé. Ah, tu as un jeune frère de ton papa? Oui, oui. Lui, il était au Sénégal pour faire la lutte traditionnelle. Lutte de quoi? Lutte traditionnelle. Mais, mon jeune frère, je ne suis pas de tout content avec toi. Non, bah, pourquoi? Tu sais, dans notre village ici, aucun véhicule qui prend quelqu'un pour venir à Fosoukouri ici. Non, sauf moi seulement. C'est votre véhicule. Maintenant, en venant ce jour-là, tu sais, dans notre, avant que tu rentres dans notre village, dans le Bafon là, ouais, mon véhicule est venu là-bas, avec le chauffeur, il a fait caracara, il est rentré dans le mou. Donc, tous les jeunes du village sont sortis pour aller m'aider. Et toi, tu es là, tu as refusé. Mais, mon jeune frère, je ne peux pas te dire ça. Si le petit poulet n'a pas entendu Koussou, voilà, il va entendre Para. Ça, c'est vrai, il va entendre Para. Vraiment, grand-père, tout ce que tu viens de dire, vraiment, tu as raison. Mais moi aussi, je n'étais pas informé. Ça, c'est ma première nouvelle. Ah, là, je prends toutes mes excuses. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, je viendrai voir ma femme rapidement là. Ok, merci. Ça fait un peu longtemps. Ah, ouais. C'est quoi? On peut arriver. C'est ça que j'ai dit. Ça fait 2 jours. 2 jours. Dans mon véhicule, là, est dans les mots. Mais on a tout fait. Tout le village est sorti. Hein. Même les baies, on a pris les baies pour pousser le véhicule. Mais ça n'a pas parti. Billahi l'azim. Ah, à ce soir. Ah, ok. Bonne suite de programme. Ok. Viens là. Où sont tes enfants? Ils étaient là tout de suite. Je ne sais pas où ils sont. Je te demande où sont tes enfants. Hein? Appelle-les pour moi. Mabana. Eh, cousin. Ouais. J'étais aux toilettes. Ah, bon. Dis donc. Ça va? Ouais, ça va un peu. Tu sais que j'avais parlé. Mon ami, il n'a qu'à m'aider à voir la mère de Manioc. Ah, bon? Donc, c'est là-bas que j'ai. Ça dit. Tu vois? Tout est bon. Ça, c'est bon. Donc, quand j'ai planté ça, wallahi, il va faire de bons fils. Il a bien fait comme ça. Ça, c'est très, très bon. Wallahi, wallahi. Eh, il n'y a pas de déjeuner? Quoi? Déjeuner. Pourquoi tu me demandes le déjeuner? Eh,
mais je dois te demander le déjeuner. Non, non, il ne faut plus me demander le déjeuner maintenant. Et puis si c'est moi qui te donne le déjeuner, tu ne vas pas déjeuner ici aujourd'hui. Ça, je te dis la vérité. Mais parle-moi doucement, sache que je suis ton mari. Je ne peux pas te parler doucement. Je ne peux pas te parler doucement. Déjeuner. Mais attends. On dirait que c'est toi qui me donnes le déjeuner. Mais doucement, il ne faut pas m'énerver. Moi, je t'ai laissé ici pour aller commander la mère de Manioko. Quand on va dans les moutons de la poro pour aller planter ça, si il y a beaucoup de fils là-bas, qui va manger? C'est pas toi. En partant, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as rien donné. Bon. Tu m'as donné quelque chose. Non, c'est bon. Maintenant, c'est-à-dire le frère est toujours attrapé maintenant. Prends tous tes clics et calac, on va descendre dans le mot pour aller travailler. Je ne vais pas au champ aujourd'hui. Je ne vais pas au champ aujourd'hui. Pourquoi? Attends. Et puis, prends tous tes clics et calac. Que tu me suis? Est-ce que tu m'entends? Où est mon jabba d'ailleurs? Attends-moi d'abord. Bon, il n'y a pas de problème. Prends tout, on va aller. On va aller pour aller crêcher un peu de patates. Que tu vas préparer ça pour nous aujourd'hui. Chez qui d'abord? Les champs de patates qui est à côté de notre sang. Et chez Bargali? Quel Bargali? Je ne vais pas là-bas. Quel Bargali? Je ne vais pas là-bas. Bargali est décédé, ça fait longtemps. Vous savez, je sais que Bargali est mort, mais il y a son jeune frère là-bas. Lui, il est fou plus que Bargali. Je ne vais pas là-bas. Non, hey. Pendant 20 ans, tu es avec moi. Donc, jusqu'à présent, toi, tu ne me connais pas. Si lui, il a joué avec moi, si je ne le tue pas comme son frère, que tu me prends. Moi, je ne vais nulle part. Bon, allez, rentrez. Hé, cousin. Je te dis rentrer. Regarde-moi ça. Je parle et tu parles. Ramasse tout ça là que tu viens avec moi. Prends ça aussi. Et l'autre. Allez, alors, s'il est fou, je vais le prouver, moi je suis plus fou que lui. Ça, tu dis. Attends. Ah, cousin. Tu as encore commencé? Non, non, je n'ai rien dit. Hey, Yabri! Oui! Mais tu fais vite là! Allons-y! Papa. Hey, où vous étiez? Hein? Où vous étiez? On était en bas là. C'est normal ça? Oui, c'est tout. Maman, ils étaient au Marécou. Pourquoi faire là-bas? Depuis le matin, moi je l'ai entendu. Pourquoi faire là-bas? Hein? Regardez-moi ça. Je n'aime pas ça, je vous dis ça. Hein? Maman, toi aussi, en parlant à tes enfants, faut parler doucement. Ah! Ah bon? Je comprends. Tout ce que les enfants en train de managasser ici, c'est toi. Comment ça, moi? Non, c'est toi. Attends, toi tu vas m'attendre. Toi, là où je t'ai envoyé. Ouais, il me dit que tout est prêt. Que le Sama parti chercher. Wallahi. La mère de manioc là. Wallahi, il connaît les de manioc. Le manioc là, c'est que je crosse comme ça. Ah. C'est tellement doux. Ah bon? Si tu prends ça, le fils qu'il gagne, voilà, c'est tellement de plus que la mère de manière qui paye. Cousin, si c'est dommage, je ne connais pas ça parce que tu as mangé sans rien me donner. Tu n'as rien mangé, tu n'as même pas honte de moi, je ça. N'ai rien. Allons. Tu parles trop bon. Bon, vous allez partir là-bas au Marigot, après creuser quelques parties pour qu'on puisse avoir de l'eau. Aujourd'hui, hein, ne viens pas ici aujourd'hui de vous venir ici seulement à me disant qu'il y a l'eau là. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Allez, partez là-bas, toi, viens. Eh, Allah! Partez là-bas, c'est toi qui fais des choses. Il faut déposer ça, ça c'est pas bon. Papa, ça c'est pas bon. Ça c'est long. Eh, allez, descends. Papa, oui. C'est le problème de désigner. Voilà, le mot désigner là, je n'aime pas ça. Descends, je viens. Allez, vite, hein. Mais regardez, ça là, c'est pas bon. On va au champ comme ça, on vient manger. La vie d'ici, la vie d'ici. Toi, tu sais maintenant pourquoi les enfants là ne me respectent pas maintenant. Alors que je suis le jeune frère de leur père. Je suis leur père aussi. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Le jeune frère, le grand frère et le jeune frère, c'est la même chose. Oui, comme tu ne veux pas que les enfants là me respectent aujourd'hui, tu seras qui est Mamadou. Pardon. Et tu montreras que je suis le jeune frère de Bargali. Tu seras aujourd'hui. Pardon. Viens. Ma mère. Venez. Oh, d'accord.
Bon. Attends-moi ici, je vais cracher l'autre là. S'il y en a dedans, parce que l'autre là... Qui t'a pris ça? Mais toi, tu es paresseux. Ça fait combien de fois que je t'ai dit de ne pas faire le travail pareil? Maître, attends, je vais essayer. Attends, pardon, fais comme c'était. Hein? Tu veux gâter le compteur de l'eau? Mais tu n'as même pas envoyé de l'eau. Regarde, il n'y a pas de l'eau. Va chercher de l'eau. Il n'a même pas honte. Lui, c'est ton apprenti. Hé, hey, Alassane, pardon, tu fais comme c'était, hein? D'accord. Ton mari a dépensé. Je les ai dit de laisser le problème de Bétina. Maintenant, il faut voir. Qu'est-ce faire maintenant? C'est ça que je l'ai dit l'autre fois. Qu'est-ce faire maintenant? Hein? Waka, vous avez fini? Jusqu'à présent. Toi, tu ne peux pas serrer ça ici. Tu devrais te coucher. Bonjour. Voilà. Baba. Ça va. C'est mon mari qui m'a envoyé. Le travail que tu as fait, c'est pas bon. C'est pas un bon travail. Notre voiture est en panne aujourd'hui. C'est pas bon. C'est moi qui n'a pas fait un bon travail pour vous. Il n'a pas fait du bon travail. Écoutez, dites que vous avez payé une mauvaise pièce. Moi, je ne fais pas un mauvais travail. Ça, je ne fais pas. C'est ton travail qui n'est pas bon. Où il est d'ailleurs? Tous les passagers sont descendus. Ça fait combien de fois? Moi, j'ai dit à votre mari. Jusqu'à fatiguer. Mais ça, c'est pas mon appel. C'est ton appel. C'est votre mari qui a payé une mauvaise pièce. Moi, faute. Tu es faute. Madame, s'il vous plaît. Tu es faute. Elle a raison. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Lui-même, il connaît. Ça fait combien de fois que je répare sa voiture et il ne paye pas? Moi, mon frère, il vous a pas dit ça, moi, je connais, il me doit. Le monsieur qui venait ici avec son carnet, il me doit ou il ne me doit pas? Tais-toi, regarde-moi le faux type là. Moi, faut dire, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes mariée. Hein? Vous êtes marié. Tu as mangé l'argent de mon frère. Qu'est-ce d'accord, que tu veux? Où est ton mari? Attends. Toi-même, je ne te connais pas. Je suis sa femme. Au moment où il paye la voiture, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Attendez, non. Tu n'as rien à voir dedans. Madame, c'est un garage. Tu ne peux pas quitter chez toi, venir chez moi. Va appeler ton mari. Il vient, je ne vais pas quitter ici aujourd'hui.
Je suis là jusqu'à l'arrivée de mon mari. Il savait que tu m'as fait. Pas à la maison, j'étais trop. Ok, faut pas dire. Je ne vais pas quitter ici. J'attends l'arrivée de mon mari. Alors ça? Oui, mais. On n'aime pas. Quand tu lui vois comme ça, on dirait un vrai mécanicien. Il ne connaît rien. Il n'a même pas honte. Laissez tout ça là. Où est votre maître? Il est là. Où est-il? Où est-il? Celui qui est couché comme ça. Il est là où? Il est là. Qui? Qui ça? Celui qui est Wakasa comme ça. Hé, hé! Attends. C'est l'argent de mon mari. Mon argent. Faut qu'il est là. Mon argent. C'est de qui l'argent? L'argent que je t'avais donné, que tu as belle pièce. Pour mon véhicule. Mais laissez-moi si je te laisse, que tu prends mon véhicule. Il n'a rien à voir dans ce que je te dis. Mais il n'a rien à voir dans ce que vous allez me bloquer. C'est toi qui n'a rien à voir. C'est toi qui n'as pas honte. J'ai dit, c'est toi qui n'as pas honte. Et puis. Attends, qu'est-ce que tu fais? La fois que je suis sur mon femme. Toi, tu ne connais pas. Commandez cette pièce à Moussa.
J'ai dit ça devant toi. Non, 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 c'est Moussa qui m'a dit. Donc, mon là, c'est ce qu'il a pris, je n'ai pas gagné ça. Ah, on va voir Moussa. Non, 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 non. Qui a commencé là, Moussa? Qui? C'est vous. Allez. Tu as un témoin pour ça? Oui, il y a un témoin. Tu as un témoin pour ça que moi, j'ai commissionné Moussa? Ouais, comme Moussa est là. Ah, va voir Moussa maintenant. Non, 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 Alay. Aujourd'hui, comme je viens ici, je ne bouge pas, il sent mon argent. C'est ça que je vais. Ah, non, 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 Moussa. Calme-toi. Non, 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 Alay. Il ne faut pas me dire ça, Alay. Regarde-moi ça. Il vient retrouver. Combien de mois, Moussa a pris mon pièce là. C'est entre Moussa et toi, c'est pas entre toi et moi. Là, je fais doucement, qu'est-ce qu'il y a? C'est que Moussa m'a dit. C'est que Moussa m'a dit là-bas. Je répète ici, combien? C'est pas mon problème. Hey, va, mon frère, va chercher Moussa. S'il vous plaît. Attendez qu'il m'explique. Il faut pas remettre ma, remettre ma tension. Hein. Ah, comment? Regarde-moi ça. Ah, comment là? S'il te plaît. Non, il veut que je remette ma tension. C'est que tu verras. Il faut pas que tu m'adonnes ton argent. Moussa. Il vient crier sur toi. Il dit que Moussa est parti prendre des pièces. Ouais, il dit que toi, là, il dit donne-moi les pièces. Est-ce que c'est l'âge qui est parti te dire de donner les pièces à Moussa? Hein? Tu as vu l'âge là-bas? Ah, en tout cas, moi, c'est hein? L'âge que c'est l'âge que tu dois payer. J'ai signé un papier. Il faut l'attraper, si c'est lui. Bon, va te faire l'attraper. C'est comme ça, vous accusez les gens. Je ne pas. Hé, hey, l'âge, quelle toi, s'il te plaît, il n'a qu'à t'attraper. S'il est homme. Comment? C'est comme ça, on fait. L'âge. Hein? Non, non, non. Ah, madame, non, non, non. Tu viens juste à celui. C'est mon problème. C'est mon problème. Tu peux pas, c'est mon problème. Non, je parle à l'âge. Tu peux venir jusqu'ici, crier sur elle a raison. Elle a raison. Tu peux pas me minimiser chez moi. Il a bien fait. Tu peux pas venir se minimiser chez moi. Non, 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 c'est pas minimiser là. Non, vraiment, c'est que tu as fait. Vraiment, ça, c'est pas bon. Attends, Kadiatou. Oui. Attends, ça, c'est pas bon, Alage. Tu peux pas venir me minimiser chez moi. Bon, va. On va au garage. C'est pas lui. C'est Moussa. Alors. En tout cas, allez voir Moussa. Je vais au garage. Je te mets même pas dans ça. Il n'a qu'à partir. Quand tu parles avec moi, il faut savoir parler. Si toi, tu ne connais pas la loi, moi, je connais la loi. En tout cas, c'est pas ça. Je connais la loi. J'ai été chez toi. Tu ne connais pas la loi. J'ai pris une pièce avec toi. Il n'a pas fait son fils d'abord. Quoi? Oui! Hé, hey, hey, doucement, doucement! Maman, non, attention! Maman, non, doucement! Tais-toi! Pardon! Pardon! Attention! Pardon! Pourquoi tu as fait? Pardon, je ne le prends plus! Hein? Que ça soit ma première fois et ma dernière fois, pardon! Il a commencé à encore frapper la maman. C'est vrai, oui. Hein? Oui. Regarde! Mais le papa, lui, il n'est pas bondé! C'est un calabanti! Il est trop méchant! Hein? Partout! Hé! Hey. D'accord, allons, allons! Allons! Regarde l'autre. Même l'autre là, il n'a pas fait son fils. Regarde l'autre là. C'est qui est devant comme ça. Eh, l'autre là, oui, oui. En bas. Oui. C'est vrai, parce que lui, il est bon. Ouais, ici c'est bon. C'est bon, non? Ouais, ici c'est bon. Et lui, il a un gros, gros, gros fils. Ah bon? Wallahi. C'est ça que je t'ai dit. Ouais. Hey. Attends. Mais ça c'est gros. Voilà, ça c'est gros. Bon, mais attendez, il ne faut pas presser plus que moi. Ah, mais il faut partir là. Bon, tu regardes ici là. D'accord. C'est ça qu'on va manger le soir. C'est lui. Tu connais ça? Ah, il est encore devenu. Oui. Allons, on va informer le père. Ah. Il n'y a pas de problème. Ça, si tu prépares ça pour nous aujourd'hui, et je vais remplir le chien là aujourd'hui. Là. Mabana! Oui, cousin! Viens ramasser ça d'abord, que tu mets ça dans ta chien là. Il y a le chien ici. Oh. Je ramasse. Oh, ramasse. À
rien mangé aujourd'hui, si c'est pas. Si c'est pas ça, ma femme, on va rien manger. Ça, c'est pas des. Cousin. Cousin. Oui, cousine. Viens par là, il y a beaucoup de patates ici. Bon. Regarde, ici. Ah. Voilà. Je me trompe. C'est ce que je cherchais dans ma vie. Ah, voilà. Cousin. Je vais vous montrer aujourd'hui qui est Mamadou. Je vous montrerai aujourd'hui que je suis le jeune frère de Baragali. Regardez-moi ça. Le tout frère est de fini. Baragali est là. Qui? Mais allez-y. Qui est-ce qui? Vous saurez aujourd'hui que Baragali est mort, mais son jeune frère est là. Cousin. Attends, c'est ton nom? C'est un nom. Ah non. Je suis venu de Sénégal, j'ai fait la lutte traditionnelle. Est-ce que c'est ton nom? Vous saurez qui est Baragali? Qui est Mamadou? Viens me recevoir avec vous. Vous saurez. Regarde. Allez-toi! Pourquoi tu es venu chercher ici? Hein? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Viens! Viens! Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Hein? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Hein? Attendez! Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Hein? Ah, tu es venu chercher quoi ici? Tu es mort. Regarde. Ah, comme il est mort, c'est pas grave. Moi, je vais. Mais ça, c'est vrai, non? Hein? Hey. Et vous restez là. Je m'en fous. Si tu veux, faut mourir. Si tu veux, faut mourir. Je m'en fous. Si on tue un voleur, on a tué un voleur, un animal, et tout. Ah, garde, n'est pas moi. Allons. Tu es où? Allez, où moi? Toi. Moi. Toi. Moi. Toi. Toi, je connais ton. Oh. Attends. Partout où tu vas? Parlez. Celle-là ne m'entend rien. Non. On se marie pour avoir la liberté. Ouais. Quoi non? Ouais. Hé, ah. Natama! Natama! Hein? Tu crois que tu vas rester ici? Tu vas plus, tu vas jamais rester ici. Ah. Elle a affaire avec son mari comme ça là encore. Je ne sais pas où j'ai mis mon chose là-haut. Hé! Madame, qu'est-ce qu'il y a? Madame! Où est ton enfant? Si tu peux pas doucement, tu vas mourir de quelqu'un ici. Oh, où est ton enfant? Hein? Où est ton enfant? Il est là, attends. Oh, va le chercher. Ouais. Tu n'en vous saurez qui je suis. Mais. Eh, va! Allez, vite! Regardez-moi ça. Comment? Non, parce que mon frère n'est plus. Viens. Viens. Papa. Ah, mais viens! Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu sais ce qui s'est passé? Ah, il faut parler, hein? C'est mon mari qui m'a dit de partir l'accompagner au champ. Ah! T'as compris? Hé, pars vite! Pars vite! J'ai pas. Hé! Non, toi, moi, champ. Oh! Mais me pousse plus maintenant vers lui maintenant. Hé, hey, parle, c'est ce que je veux. Il faut parler. Il faut parler! Explique! Hé, tu sais. Tu dis rien? Hein? Il a raison. Voilà, il a raison. Voilà. Ton fils a été creusé, mes patates là-bas. Attends. Patates de mes dents, mon. Okay, bon. C'est mon frère qui est parti. Moi, je suis là. Oui, c'est vrai. Je te dis ça aujourd'hui, je suis là. Natoma, connais, c'est pas moi qui a creusé là-bas. Il faut envoyer ton fils. Laisse-moi. Envoie ton fils.
Oh, attends. Il te dit d'envoyer son fils, mais je vais te tuer. Mamadou. Oui. Pardon. Moi, je te connais. Je connais ton frère. Mm-hmm. Je vous connais. Mm-hmm. Je connais même le grand arrière-grand-père de vous. Venez d'abord. Tu sais ce qu'il y a? Ouais. Mais attends. C'est entre l'homme et l'homme maintenant. Ouais. Ah, tu sais ce qu'il y a? Je sais pas, vous que tu dis. Voilà, bon, pardon à cause de Dieu, à cause de ton père, à cause de ta maman, ton arrière-grand-père, à cause de tous ces derniers-là. Pardon, je te... Tu penses quoi, mon arrière-grand-père? Je tu penses quoi, mon... Nyalma-toi, là. Vous êtes des Souma. Tu connais ça? Oh. Souma. Ah! Mandez-moi ça. Oh, là, tu vas... Souma, là, pour l'heure. Mandez Souma, là-bas. Ah, là, tu vas... Trou, roux, camarade, Simbo. Ah, ok! Ah, Simbo. Ah, mais... Tiens, pardon, à cause de Dieu. Hey, il va jamais maintenant reprendre ça. Non, tout est fini, c'est fini. Il va jamais reprendre ça. Et quand même, vous, c'est fini, après pas. Voilà. Après pas fou. Mba Djandi, Alana Nabikoso. Eh, là, Sama, viens. C'est sa femme. Ok. C'est la femme à mon oncle. S'il veut travailler, c'est maintenant, là, moi, je connais pas si tu étais derrière lui. C'est comme ça que tu travailles, je connais c'est pas. C'est mon neveu direct. Bon, mais s'il veut travailler, il n'est qu'à partir des jeunes. Ah, monsieur, me dis ça. Tu as entendu ça? Il a raison. Je peux lui aider. Hein? Allez voler l'objet des autres. Ah, c'est normal. Moi aussi, c'est pas du mal. Bon, pardon. Moi, je vais lui chercher tout de suite. Il n'est qu'à partir de voir à la maison. Non, il n'y a pas de problème. Je te le confie aujourd'hui. Ah ouais. S'il veut travailler, il va bien travailler chez moi. Après, ici, je vais lui prendre main à main. Je vais te le remettre. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu le fais monter. Si tu veux, tu le fais descendre. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Pardon. Là, je suis d'accord. Pardon. Je suis satisfait. Souma. Ouais. Mandez-moi ça. Merci. Mandez-moi ça. Merci. Toi, tu sais, les gens là n'ont pas de tête. Mandez-moi ça. Ouais. Merci. Mandez-moi ça. Merci. Ah, quelqu'un dit, vous êtes des voleurs. Non, tu regardes. Hein? Viens. Où est ton mari? Je ne sais pas là où il est parti. Mvatama! Mvatama! Encore! Il est là. Ah, celui-là. Viens ici. Ah, mais je ne peux pas sortir d'ici. C'est trop petit. C'est par la fenêtre que tu es rentré. C'est pas... Sortez ici, ouais. Ah, ok. C'est... Si voilà. Je te trouve là-bas, je vais... C'est pas moi, hein. Oui. Sors! Ok. Voleur que tu es. Regarde-moi ça, ouais. Ton mari, là, et puis, c'est un fainéant, hein. Sacré du moignon. Viens! Qu'est-ce que toi tu étais allé chercher là-bas? Où? Dans le champ de l'autre là. Pas toi mal là, il a. Est-ce que je suis. J'ai même pas. J'ai foutu mon pied là-bas, Iré. C'est lui qui m'a dit de partir. Voilà! Mamadou! Mamadou! Oncle, viens! Ah non, si tu viens la frapper, il faut la frapper. Moi je vais appeler Mamadou. Parce que tu connais pas d'autres personnes ici, pas Mamadou. Il faut te tuer ici. Lui, son frère n'avait pas de tête. La tête de ce dernier était gâtée. Mais Mamadou là, lui n'a même pas de coup pour fabriquer la tête. Voilà. Si tu ne fais pas doucement seulement, on va te tuer ici. Pour rien quoi. Moi, je n'ai pas peur de lui. Hein. Je n'ai pas peur de lui. Hein. Si le homme n'a qu'à venir, il va me connaître qui je suis. Tu me dis ça maintenant, je vais monter sur toi. Regarde-moi ça. Il me pourra croiser. Même qu'à quoi. Moi, j'étais venu pour me préparer. Hein. C'est pas ça. C'est ça. Allah. C'est pas ce que j'ai dit au sein là-bas. J'ai dit que je viendrai à la maison pour venir me préparer. C'est ça. Non, dès que je sors. C'est bon. Tu le supportes maintenant, c'est bon. Il n'y a aucun problème, vraiment. Ah, là, bon, on va. Non, calme-toi. Ça va, on va. Il faut savoir parler aux gens. Allô. J'arrive. Ok, faut pas durer. Attends. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a mon agent. Vraiment, il a trop duré. Il dit qu'il doit venir, non? Oui. Salam alaikum. Walaikum salam. Quel âge? Oui, bonjour. Ça va? Oui. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Oui. Asseyez-vous. Mon chauffeur n'est pas venu. Non, il n'est pas venu. C'est sa femme qui vient de venir tout de suite. Que son mari doit venir. Ah ouais, je l'attends. Il est parti dire à ce monsieur-là que moi, je l'ai dit d'aller prendre des pièces avec lui. Et il n'a pas payé la pièce. Mais moi, il me doit.
Il n'a pas payé la pièce. Je l'attends ici. Oh, madame, vous attendez? Moi, je ne suis pas dans ce cabaret-là. Il y a tout dessus. Mais ça veut dire quoi? Mais ma bonne. Mais ça veut dire de m'attendre. Tu sais qu'on a on a d'autres affaires. Moi j'ai pensé que. Vous savez, il faut nous dire bonsoir quand même. Ça va, frère. Qu'est-ce que tu es parti dire à ce monsieur-là? Qui? Tu as pris toi la pièce avec lui à mon nom, non? Magasin. Qui? Toi. Mais c'est qu'est-ce pas. Qu'est-ce que tu m'as dit là-bas? Attends. Il est parti déconner chez moi à domicile. Maître. Oui. Lorsque, avant-hier, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, donc. Oui, tu étais là. Tu as fait la pagaille ici. Donc, maintenant, écoute-moi. Seulement d'abord, pièce que tu m'avais remis d'ailleurs. C'est bon? Ah, la pièce c'est quand même est gâtée. Bon. Ah, bon. La c'est pas bon. C'est vous qui avez gâté. Donc, on ne pas à mettre. Ah, mais on met ça à côté. Non, la pièce, une fois qu'on paye la pièce. C'est fini. Une fois qu'on paye la pièce, si on monte sur un véhicule, c'est fini. C'est bon, fini. Moi, j'ai l'argent. J'ai ton argent ici. N'est-ce pas? Bon. Oui. Et moi? Bon. Hein? Et le reste de mon argent? Quoi? Le prix du véhicule, et le reste? Tu sais que le véhicule est en train de me tuer. Pas pour me fatiguer, il est en train de me tuer. Tu connais ça? Et tu, as... tu réclames l'argent? Quoi? Oui, parce que tu connais ça et tu as dit que tu peux acheter. Non, non, non. Il a, s'il vous plaît. Non? S'il vous plaît, Moussa. Moussa, je t'écoute. Bon, et mon argent? Quel argent? Mais 125 000 francs? Je crois que vous pensez que c'est moi qui fabrique l'argent. Non, écoutez, il ne faut pas me parler comme ça. On tu penses que je t'ai dit de ne pas me parler comme ça. Tu me dois, tu vas me donner mon argent. Attends. Mais ça, c'est quel bagage? Attends. Prix, prends. Allah. Prix de pièces bas. Frais de réparation bas. Tout ça, c'est petit dans le prix du véhicule. Ah non, il a. Il va acheter le véhicule. Oui. Où est le reste de mon argent? Voilà. Ah ouais, c'est ce que je veux. C'est ce que je cherche. Merci. Si tu entends aujourd'hui, prix de carburant, prix de l'huile, frais de mécanicien. Frais de mécanicien. C'est parce qu'il y a le véhicule. Ouais. C'est parce que il a le véhicule. Je me suis engagé dans un vieil véhicule comme ça. Tu sais que le véhicule n'est pas bon et tu prends ça, tu me donnes. Où je suis aujourd'hui? Je t'ai forcé. Je n'ai pas mon argent. Hein? Ok. Bon, maintenant, Moussa, c'est le commissaire qui va nous débattre. Non, c'est pas comme Moussa, ça. Non, où tu as voir l'argent? Là où tu es comme ça, tu ne peux pas bouger ici, ça, mon voilà, tu ne peux pas me donner mon argent. Ton mari ne va pas bouger. Ton mari ne va pas bouger. Eh, Magwana. Oui. Magwana. Oui. J'ai l'argent ou bien j'ai pas l'argent? J'ai l'argent ici. Maintenant, si tu entends maintenant. C'est ce que tu as fait. Ce que tu as fabriqué, j'ai tout compris. Fabriqué quoi? C'est parce que ta vieille véhicule là, tu as tout fait. Tu pourras pas le réparer maintenant. Même ça, même si on envoie ça à l'usine maintenant, ça pourra ah pas. Ah bon? Moi parce je que, dis. Mais ton argent est quand même se place, non? Mais c'est là. Là, je te dis à combien? Tu me dois 300 maintenant. C'est ça que tu payes là. Voilà. Non. Hein? Tu vas payer mes 125 000. Attends. Non, il est. S'il vous plaît, de respect. Il va payer mon argent là et puis là où il est comme ça. Tu ne bouges pas ici sans payer mon mécanicien. D'accord. Si tu n'as pas d'esprit, je demanderai dire tout de suite. Il n'a qu'à me remettre. Ah non, il ne faut pas m'insulter. Hein? J'ai dit, il ne faut pas m'insulter. Et si je t'insulte? Tu m'insultes pas. C'est pas comme ça. Où est ma société d'abord? Où est ma société? Il a dit que sa femme a lâché ici, non? Oui. Bon, tout ça, il faut dire à ta femme, la femme. À quoi l'argent? Tu as combien l'argent, ma femme? Tu as combien? Tu n'as pas venu d'ici. Hélas. Oui. Tu sais que lorsqu'on parle là, le bruit de ton véhicule, ouais. Il n'y avait pas de minuit 14h, non? Ouais. J'ai payé ton argent. Oui, tu as payé l'argent. Attends-moi ici, 5 minutes seulement. Viens, on va aller. Voilà. Calmez-vous, c'est là-bas. Moi, c'est mon argent seulement. Hélas, je ne veux pas combien ça. Tu as ton argent aujourd'hui. Hein? Ouais. Le reste là maintenant, je vais voir. Quel homme qui paiera me provoquer pour ça? On va se dire. Hélas, vous attendez? Si il vient, 1 franc. Si 1 franc manque, il ne faut pas payer. Même 5 francs. Toi, tu ne comprends rien. Comment ça? Attends, si tu entends maintenant, pour Elage,
un pour mécanicien, un pour le vendeur de pièces, frais de carburant et l'huile, parce que je suis à côté d'eux. Wallahi, allons-y au village. Hey, mais les autres nous attendent là-bas. Qui? Toi, tu, je te dis de partir là-bas. Viens, on va partir au village. Hey, si le violet n'a qu'à s'asseoir jusqu'à ce soir, moi je m'en fous. Donc tu fais tout ça, tu n'as pas d'argent. Il faut me faire l'argent. Et cousin, cousin, ça c'est pas bon. Ah, passe. Il vous a remboursé. C'est que j'entends de dire. Hey, prends tout ça là que tu rentres. Mais j'entends de préparer. Préparer pour. Fais sortir là-bas. Allez. Calme-toi. Tu es ma soeur, non? Oui. Il faut préparer. Quand on te trouve ici, tu vas préparer jusqu'à prison. Tu vas préparer. Ça? Attendez. Il n'y a pas d'expression là-bas. Bon, non. Il ne faut pas le reprendre maintenant. C'est pas tes habits, ça. Ramasse tout. Quoi, où est-ce? Voilà. Où tu vas? Ça, c'est pas pour toi d'ailleurs. Hey, où vous allez? Assieds-toi ici. Si le policier vient te trouver ici, tu vas quitter. Le policier encore? D'une manière. Viens, on va aller, toi. Allez. Eh, bon Dieu. Mais mon frère, tu vas partir de me laisser ici. Laissez quoi? Oui. Non. Assieds-toi. Si tu es assis, si tu veux, couche-toi maintenant que tu dors. Si le policier vient te trouver ici, voilà. Tu vas dormir là, dans les prisons. Viens, on va aller. Ah. Bon Dieu. Quel bon Dieu? Eh, Allah. Il y a le petit Dieu aussi. Allô. Tu as vu ça que je dis? Je dis que le monsieur là, je n'ai pas confiance à monsieur là. Est-ce qu'après il n'est pas venu? Moi-même, en tout cas, moi, il faut que je gagne mon lazard. Attends. Ah, d'accord. Tu as raison. Il a quitté ici, il était 14h. Il est maintenant 17h30. Il n'est pas venu. Voilà ce qu'on va faire. Attends. Moi, s'il ne vient pas, c'est vous qui allez me donner mon argent. C'est vous qui m'avez laissé partir. Si, aurait été moi, il n'allait pas bouger. C'est moi qui t'a donné le travail ou c'est lui qui t'a donné le travail? Mais c'est vous qui m'a encouragé. Qui? J'étais là quand il a envoyé ton garage. Hélas, j'étais là. Hélas, ne me parlez pas comme ça. Non, il ne faut pas m'accuser. Non, attention. J'ai dit s'il vous plaît. Attention. Attends. Et puis, écoute. Toi, tu es un enfant qui ne respecte pas les grains. Non, moi j'ai pas, je n'ai pas besoin du respect. Moi, j'ai besoin de mon argent. Ah bon, tu vas dire ça à moi. J'ai dit, je n'ai pas besoin de respect. Moi, c'est mon argent que j'ai. Ah, tu dis ça. Moi, je ne connais pas le respect. Celui qui te doit, moi, je ne te dois pas. C'est tout. Si là-bas, voilà ce qu'on va faire. Ouais. Il a le camion, il a la voiture chez lui là-bas. On prend la voiture, on envoie au garage. Maintenant, on va nous trouver un amateur. C'est terminé. C'est ça? Chacun aura son argent. Il n'y a pas de problème. Si c'est ça, c'est le ballon aussi. Si le ballon. Bon, en tout cas, c'est ça. Hein. Comment est-ce qu'un imbécile peut manger mon argent comme ça? Bonjour. Et ton frère? Il est voyagé. Quoi? J'ai dit il est voyagé. Ton frère nous a laissé tout de suite au garage. On est en train de l'attendre là-bas. Il dit qu'il vient tout de suite avec sa femme. Il a voyagé et sa femme. Il est parti avec sa femme. Ah, ça c'est bien ça. C'est très bien. Ton frère me doit de l'argent. Il doit de l'argent au mécanicien. Il doit de l'argent au vendeur de pièces. Il nous laisse assis là-bas, il voyage. Il n'y a pas de problème. Le vécu est là, n'est-ce pas?
Oui. Moi, je vais envoyer les mécaniciens, ils vont ramener au garage. Et je vais revendre mon véhicule. Hé, hey, tonton, ne fais pas ça. Il ne va pas dire. Quoi? Il va venir dans deux jours, là. Il ne va pas dire. Mais si toi, tu sais ce qui se passe. Tu connais ce qui se passe? Non, je ne connais pas. Oh, mais toi, tu es une femme derrière. Je n'ai pas à te répondre. Comme il a voyagé, il n'y a pas de problème. Moi, je revends mon véhicule et je récupère mon argent. Je donne l'argent du mécanicien aussi. Un point, un trait. Il n'y a pas de problème. Là, il a mon problème. Eh, Allah! Ça, c'est un autre problème encore. Ah, moi aussi, je ne vais pas rester ici. Vraiment? Lui aussi, il ne va pas dévier ce mot. Ah non, je le fais confiance, Hugo. Ah oui? Non, vraiment, je ne veux pas. Mais tu sais quand même, c'est 25 000 francs qu'ils aient réussi d'aborder. Ouais, ça reste 100 000 francs.